14h54, 3h25. Merci beaucoup d'avoir choisi BPM. Il fait magnifique à l'extérieur. Ça te fait rire encore, hein? 3h05. Ah, je m'y ferai jamais. Sérieux, je m'y ferai jamais. Merci beaucoup d'avoir choisi BPM. C'est magnifique à l'extérieur. Super! Ça se peut-tu que mercredi, jeudi, j'ai vu 20 cm par chez nous? Il va en avoir peut-être un 10, un 15 pour le Grand Montréal, mais ça va fondre tout de suite le lendemain. Là. Faut pas paniquer. Peux-tu dire calvasse en nom? T'as le droit. Calvasse. Ouais, mais ça, c'est ça arrive nord. Là. Mais ça va fondre tout de suite. Là. Oubliez ça. Là. C'est le dernier espèce de spasme de Dame Nature cette semaine. Okay. Ouais. Merci d'avoir choisi BPM. Il fait magnifique à l'extérieur. Profitez-en de la bonne vitamine D. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. On est ensemble jusqu'à 18h. Grosse émission pour vous aujourd'hui. Jour de match Canadiens Panthers. Avant de vous parler de hockey ou quoi que ce soit, vous savez que jeudi dernier, c'était jeudi saint. Oui! Et que quelqu'un ici parmi nous s'est fait laver les pieds par quelqu'un parmi nous, toujours excluant la personne qui parle. Ouais. Et bon, je vous rappelle, Ben, parce qu'il perdait à l'octogone, a lavé les pieds de FX. Ouais, ça a été une conséquence dont je me souviendrai longtemps. FX a badigeonné ses pieds. Ben déjà, à la base, il y a un problème d'odeur de pied. Oui. Je tiens à dire une chose, cette fin de semaine, dès que je suis arrivé jeudi, j'ai lavé les bas en question. Je les ai remis hier parce que je les ai lavés et ça ne sentait plus le poisson. Alors, je vous rassure, tout est beau de ce côté-là. Alors, pour être sûr que Ben ait une odeur nauséabonde, FX était badigeonné les pieds dans du jus de poisson. Ah, c'était épouvantable. La vidéo est toujours sur les différents médias sociaux. Moi, je retourne toujours, parce que j'ai montré ça à Ben du Monde en fin de semaine, je retourne montrer ça l'intégrale sur YouTube. Tu vois, c'est un des avantages d'être sur YouTube. Mm-hmm. Je reculais ça et d'entendre Ben s'exclamer. Pauvre vierge! Celui-là, il est pire! Saint-Étoile! Saint-Étoile d'Arnold! Ça sent à morue! J'ai jamais eu autant de personnes qui sont que j'ai rencontrées cette fin de semaine que j'ai vu qui m'en ont parlé de cette fameuse vidéo-là. Beaucoup me l'ont envoyé également sur Facebook. Ouais. Il y en a qui ont souri à l'église parce que Reg m'a dit que ça se fait encore à part ça. Mes parents m'ont confirmé ça. Mon père a lavé. Pas là, il a pas en jeudi fin de passé. Pas en fin de semaine. Jeudi passé. Je pensais que c'était un rituel catholique qu'on avait laissé de côté. Ça se fait encore. En fait, c'est le curé qui lavait les pieds. Là. Moi, quand je me souviens, quand j'étais jeune, en tout cas, on ne viendra pas là-dessus. Non, là. S'il vous plaît. Ça va être correct. On a ressuscité d'entre les morts. Exact. Mais il y a un auditeur qui a eu une bonne pensée, Ben. Louis Corriveau, c'est un chic type. Louis Corriveau nous écoute tous les jours. Et il est le propriétaire de la Cori Boutique. Vêtements de travail, chaussures de sécurité, équipements de sécurité. C'est sur la rue Notre-Dame à Lachine, au 1252 rue Notre-Dame à Lachine, la Cori Boutique. Et Louis, pour FX, nous a fait parvenir cette entrée tout à l'heure. C'est même toi qui m'as donné le paquet, Martin. Des bas athlétiques performants. Prends ça ici, ce sont des bas. Des bas à base de laine mérino. Alors, la laine mérino, ça a des vertus. Alors, tu pourras lire ici. Regarde, Louis, t'as même fait parvenir les vertus de la laine mérino. Je sais pas, par exemple, je pense que tu peux pas laver ça, de la laine mérino. Louis m'a déjà fait parvenir des vêtements à base de laine mérino. Et tu peux laver. Mais c'est séché. Il faut que tu fasses attention, je pense, au séchage. Alors, Louis Corriveau, Cori Boutique, à Lachine, t'offre ses bas à base de laine mérino pour t'aider dans ta transpiration de pied. Tu sais, quand les gens t'envoient des cadeaux parce que tu pues des pieds, là. Alors, je vais montrer la carte ici, si tu me permets. Aïe, aïe. Pour les gens qui nous écoutent via YouTube, la Cori Boutique. Louis est vraiment un chic type. Merci, Louis. Alors, il nous fait des cadeaux comme ça. Il y a des gens qui demandent, avez-vous des nouvelles pour les Lions de Trois-Rivières? Pas encore. Il semblerait qu'il y ait un acheteur qui s'est manifesté. Ah, oui, donc, je présume qu'on est dans les balbutiements de ce nouvel acheteur-là. Dossier à suivre. Je prends 1 minute 30 secondes pour vous parler. Le point de Martin. Je sais pas si vous avez entendu Martin Saint-Louis aujourd'hui qui parlait de son équipe, qui est fier de son équipe, qui aime ce qu'ils sont en train de bâtir. Et c'est les jeunes qui sont en train de bâtir quelque chose d'important. Je vous le fais entendre. Ils vont vivre dans la maison qu'ils sont après bâtir. Fait que t'es mieux de prendre soin de ta maison. Fait que c'est ça, les jeunes. Tu sais, moi, je veux pas qu'ils arrivent dans 4-5 ans puis ils soient fâchés de la maison qu'ils ont bâtie. C'est leur maison.
Moi, j'adore ça. C'est plein de sens. Ça fait dire à Benoît, après les fables de La Fontaine, voici les fables... Du Saint-Louis. Voilà. Il est super bon dans les fables. Moi, ce que je voulais vous raconter... J'ai déjà c'est... mon idée de montage. Moi, ce que je voulais vous raconter, c'est... Oui, le Canadien joue mieux. Tout le monde est d'accord pour ça. Le Canadien joue mieux défensivement. L'homme à homme, le fameux man-to-man, est beaucoup mieux en zone défensive. Ça brisera plus rarement. Des avantages numériques, c'est mieux. Il y a beaucoup d'aspects du Canadien qui sont beaucoup mieux en ce moment. Et on entend beaucoup de positifs autour du Canadien de Montréal. Martin Saint-Louis le premier, là, c'est pas juste les médias. On joue mieux, j'aime où est mon équipe, j'aime comment ça se passe, j'aime si... c'est archi positif quand on parle du Canadien. Enfin, un bon premier trio, enfin si... Je pense qu'on est tous d'accord, là. Puis, tu sais, enfin, Mayou va faire la Ligue nationale, c'est sûr, l'an prochain. Puis, enfin si, puis enfin ça. Il y a très peu de négatifs qui est dit. Mon point est court aujourd'hui parce que je veux juste vous dire quelque chose. Le Canadien est éliminé. Puis il joue sans pression. On s'en reparlera l'an prochain, quand il y aura de la pression. Point. Dans le vestiaire avec Bob Hartley, vous est présenté par le service d'outils FGL, votre spécialiste de l'outillage Milwaukee au Québec. Pour un service exceptionnel, choisissez FGL. Ce qui se dit dans le vestiaire reste dans le vestiaire. On les a laissés un peu à revivre. Le coach. C'est la culture que t'installes dans le groupe. T'amène. Savoir jouer, c'est une chose, savoir gagner, c'est une autre paire de balles. Dans le vestiaire. Salut le Bob. Salut le Marty, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Bob, c'est le retour du concours billets.ca. On va appeler des auditeurs à 17h, juste avant ton segment. Et les gens devront nous répondre billets.ca. .ca à gagner un voyage sportif de rêve un peu partout au soleil et vous pourrez choisir le sport de votre choix, la ville de votre choix. Ça peut être hockey, baseball, basketball, football, peu importe, Los Angeles, Miami, Las Vegas, vous choisissez. Vous avez le temps de vous inscrire en tout temps dans la section concours de bpmsport.ca. Écoutez tous les jours en semaine à 8h et 17h, soit Max Lalonde ou nous au retour des sportifs. Et quand on vous appelle, vous devez répondre. Seulement et uniquement billets.ca. Le grand gagnant sera dévoilé le 22 avril prochain. Faut pas s'exciter. Non, faut pas s'exciter. Mais faut dire, faut dire les vraies patentes. Billets.ca. Billets.ca. Bob, j'en parlais à l'ouverture d'émission. Tout le monde est bien heureux, bien positif sur le Canadien. Il joue mieux défensivement dans son territoire. Avantage numérique, on est menaçant même si on ne la met pas dedans. Des avantages numériques. Vraiment, là, tout le monde n'a que des choses positives à raconter. Et moi, j'ai dit au monde, on s'en parlera l'an prochain quand il y aura de la pression. Est-ce que... C'est un autre game. T'as entièrement raison. Par contre, c'est une bonne base parce qu'il faut le noter. C'est vrai que le Canadien est éliminé. Mais il reste que le Canadien joue mieux. Puis, où que le Canadien joue mieux, moi, je trouve que c'est en lecture, en entrée de zone. Avant, là, combien de fois là, tu voyais là, un, deux, peut-être des fois trois joueurs aller protéger le long de la rampe et puis laisser l'enclave tout à fait ouverte. Puis, tu avais des chances de marquer soit qu'il était seul avec le gardien de but ou c'était du 2-1. Je trouve que la lecture, surtout pas juste la lecture, des fois c'est la compréhension. Et parce que ça en prend un pour faire une erreur, puis ensuite tout déboule, surtout dans un système homme à homme. Homme à homme, t'as pas le droit à l'erreur, tu sais, parce que c'est la bonne vieille phrase, tu sais, quand on était jeune, là, puis on entrait sur le banc des joueurs. T'as lâché ton homme! Le coach en plantait un, il disait « C'est arrivé! » Puis là, il y en a trois autres qui disaient « Oups, c'est pas moi, j'avais mon homme! » Mais il reste que, je trouve que les prises de décision sont tellement mieux. Aussi, on est plus agressif, mais on est moins physique. Et puis ça, j'aime ça. Parce qu'à toutes les fois que tu veux être physique en zone défensive, tu t'exposes. C'est certain que si tu en penses un, puis je pense que celui qui s'est le plus amélioré dans ce domaine-là, c'est Jack Hyde. Hein? Il est agressif. Par contre, physique avec une belle approche où la défensive prime. Moi, je dis souvent ça aux coachs juniors. Les jeunes recherchent la grosse mise en échec là, pour que le vent commence à taper le bâton, ses bounds, ces choses-là. T'sais, en zone offensive, en zone neutre, des fois, ça peut être correct. En zone défensive,
tu t'exposes, tu sors cette grosse mise en échec-là, puis tu la manques. Un, bien souvent, là, c'est parce que tu la manques, mais tu es obligé d'accrocher ou de faire trébucher. Tu ramasses sur voie de pénalité. Tu perds ton joueur adverse, il y a une entrée directe au filet. Donc, il y a tellement peu à gagner avec une grosse mise en échec versus du bon jeu agressif, bonne position de bâton, et tu, d'une certaine façon, tu essaies de tuer le jeu. Mais en zone défensive, la rondelle est beaucoup plus importante que les joueurs adverses. Puis je pense que le Canadien commence à la comprendre ça. C'est fou, il y a les Sam de ce monde qui disent « Enfin, amen, merci Martin, tu es réaliste et sensé. » Et il y en a d'autres comme Danny qui dit « Martin, crache pas dans la soupe. » Tu vois? Ça fait pas plaisir à tout le monde. Bob, la question du jour qu'on pose aux gens, c'est sur Cole Caulfield. Cole a 3 buts dans ses 24 derniers matchs. Il a eu un but le 25 janvier. Depuis ce temps-là, seulement 3 buts. Il marque au mois. 2 buts le 15 février contre les Rangers, puis 1 but le 16 mars contre les Flames. Depuis, rien, nada. 3 buts seulement en 24 matchs. Martin Saint-Louis ne se dit pas inquiété outre mesure par la production de Cole Caulfield. Il suffit qu'en mette un dedans, puis il va partir sur une série. Tu t'inquiètes, Bob? Un peu, mais il reste que... Et Cole Caulfield est arrivé à la Ligue nationale, et puis il y avait toujours une audition à droite. On changeait constamment l'ailier droit parce qu'on n'avait pas. C'est aussi simple que ça. Et je ne blâme pas Martin Saint-Louis. Je l'ai vécu souvent, moi, dans ma carrière, que j'avais un très bon duo. Par contre, le troisième membre, et des fois, ça allait par comité. J'en avais 2-3, puis j'avais celui qui était bon, jouait, puis tout ça. Et qu'on se souvienne, un, je pense que la chirurgie à l'épaule a peut-être quelque chose à faire là-dedans aussi. Il a goûté à la médecine de la Ligue nationale. Il sait c'est quoi. Il y a peut-être une fraction de seconde qui est en retard sur ses débuts dans la Ligue nationale. En même temps, la Ligue nationale l'a appris, le connaît. Donc, on le joue beaucoup plus près. Puis, un autre facteur aussi, c'est que l'ailier droit maintenant, Slavkovski, a beaucoup plus la rondelle que les ailiers droits précédents. Puis je pense que du point de vue de Suzuki, et Suzuki ne l'admettra pas, mais qu'on se souvienne, qu'on retourne dans le temps un peu, et à leur début, Suzuki regardait toujours de quel côté, du côté gauche, du côté à Caulfield, parce que, un, tout ce que Caulfield touchait, bien, ça se transformait en but. Puis de l'autre côté, à droite, bien, les chances que la rondelle revienne étaient quand même très minimes. Fait que là, je pense que c'est beaucoup plus équilibré. Et puis, Suzuki, je pense, a autant confiance en Slavkovski que Caulfield. Mais dans un monde parfait, moi, je pense que lorsque le Canadien sera en position de compétitionner pour les séries éliminatoires, Cole Caulfield jouera sur un deuxième trio avec Kirby Dach. Puis, sais-tu quoi? Quand tu dis que Suzuki a autant confiance en un puis l'autre, c'est mon opinion, là. Mais tu t'en vas en bas de territoire. T'aimes bien mieux à donner à Slavkovski qui va travailler bas de territoire avec toi puis qui va t'ardonner, que tu sais que si t'as donné à Caulfield, il va s'en faire enlever, il va se faire exploser sa rondelle, puis il reviendra pas. As-tu compris? Merci. Et boy, le monde, pas sûr que tout le monde va aimer ça. La question est sur BPM Sports, sur nos réseaux sociaux. Allez voter. La question, elle est écrite comme suit. Question de Joe sur le retour des sportifs. Même si Cole Caulfield a seulement marqué 3 buts au cours des 24 derniers matchs, Martin Saint-Louis n'a rien à reprocher au jeu collectif et à la production de Caulfield. Vous, est-ce que la production offensive de Cole Caulfield vous inquiète? Oui ou non? Et on vient juste d'en parler, Bob. Déjà, plus de 100 votes sont rentrés, puis on est pile poil, 50-50. On se fait tirer des roches pour nous éviter de gars. Ouais, mais là, tu t'arraches, tu t'en fais tirer d'autres, surtout par ton metteur en onde préféré, Benoît Roger. Bob, Caden Primo va venir chercher une photo avec la Coupe Molson comme étant le joueur du mois de mars. Avec Samuel Montembeau devant le filet. Et tu oses poser la question. Est-ce qu'on le sait vraiment, c'est qui le numéro 1 pour la saison prochaine? Ben, les ongles d'orteil vont virer à l'envers si tu dis ça. Moi, c'est pas qui va être le numéro 1, qui va débuter la saison devant le filet. C'est peut-être la même chose, c'est peut-être un jeu de mots. Et moi, je pense que ça va être une question sans réponse, aller jusqu'au 4, 5, 6 octobre, là, quand habituellement
la saison. Mais de la tu rouvres la porte à dire c'est peut-être pas Samuel le choix unanime pour le numéro 1. Peut-être que Caden peut venir mêler les cartes. Ben, c'est exactement ce que je dis. Puis, tu sais, celui qui porte ce flambeau-là, Ben Roger, présentement, c'est Martin Saint-Louis. Alors, regarde, on a pratiquement une rotation d'hockey mineur. Là. Un joue un match, l'autre joue l'autre match. Fait que c'est certain. Puis, Samuel Montembeau continue à très bien jouer. Et puis, Caden Primo joue très bien. Donc, je vais dire, c'est un heureux problème. Là. Il n'y a pas de controverse. Je fais juste te dire que un a autant de potentiel que l'autre, d'après moi. Puis, je suis très confortable avec les deux gardiens de but. Je vais dire, j'étais agréablement surpris parce que, un, on se posait toujours l'après Jake Allen. Tu sais, comme ta question tantôt, le Canadien va avoir de l'air quoi l'an prochain en zone défensive lorsqu'il y a, on devra jouer pour gagner comparativement. Présentement, on n'a pas de pression. Bien, la même chose s'applique aux gardiens de but dans un contexte différent. T'as raison. Mais les deux ont tellement à prouver parce que la question mérite d'être posée qui va être le gardien de but débutant parce que Samuel arrive. Il n'y avait pas une feuille de route qui était gardien de but numéro un avec les Panthers de la Floride. Ensuite, on l'a échangé au Canadien de Montréal. Il était gardien numéro un. Non, c'est l'après Carey Price. Et puis, on est à la recherche de solutions. Puis moi, je trouve qu'on a vraiment deux beaux gardiens de but. Là, deux gardiens de but qui sont en ascension. Oui. Deux bons travailleurs. Deux gars, je pense, qui se complètent quand même bien. Mais par contre, tu n'auras jamais la relation numéro un, numéro deux entre un vétéran et un jeune gardien de but. Là, c'est deux jeunes gardiens de but qui veulent faire leur place et puis la compétition va être beaucoup plus féroce. À Pete Sam, la même chose parce que c'est deux très bonnes personnes. Mais tu vas dire à un, ah, ben, toi, tu es numéro deux juste par la force des choses. Je ne pense pas que soit Samuel Montembeau ou Caden Primo sont prêts à entendre ça. Là. Non, puis pour ceux que ça intéresse, parmi les gardiens de but qui ont joué 18 matchs et plus, Caden Primo vient au 15e rang de toute la Ligue nationale de hockey pour le pourcentage d'arrêt. Ça dit ce que ça dit. Dans une saison où le Canadien n'a pas une équipe compétitive, va terminer dans le bas fond de la section S. Il est à 913 de pourcentage d'arrêt, 905 pour Sam Montembeau. Puis c'est correct, Montembeau, elle dépasse ce soir, deux de suite. Il affronte son ancienne équipe. On a vu comment il a réagi quand il a perdu un titre de barrage contre eux autres. Il a vu sa victoire contre son ancienne équipe. Exact. Je vais dire, c'est un combattant, c'est une personne extrêmement fière. Donc, c'est parfait. Et la transition avec le départ de Carey Price, des fois, ça prend du temps. Alors, on peut nommer des équipes versus d'autres équipes. Et Lundqvist part, Chesterkin sort de nulle part, malgré le fait qu'il est avec les Rangers. On ne le connaît pas. Pourquoi on ne le connaît pas? Parce que tu as juste un filet, tu as eu deux gardiens de but. Avec le Canadien, on a eu Jake Allen qui a fait une certaine transition. Il a fait quand même un boulot très respectable. Mais le futur, comme qu'on parle, parce qu'on en est là dans la reconstruction du Canadien. On sent qu'il y a une progression. Est-ce qu'on est prêt à faire les séries éliminatoires? Celui qui a la réponse, c'est Kent Hughes. Ben, c'est pas Martin Saint-Louis présentement. C'est Kent Hughes avec qu'est-ce que lui va faire de ses meetings après la fin de saison avec ses hommes de hockey, avec les Martin Saint-Louis, avec les assistants, avec Jeff Gorton, avec tout l'état-major du Canadien. On va dire, si on va chercher tel ou tel joueur, si on investit peut-être un de nos jeunes défenseurs dans une transaction, est-ce qu'on est prêt à cogner à la porte? T'sais, un peu comme Pierre Dorion a fait avec les Sénateurs d'Ottawa, Corpissalo et puis Tarasenko et tout ça. On connaît la suite, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas fonctionné à Ottawa, que ça ne fonctionnerait pas ou ça fonctionnerait à Montréal, on ne le sait pas. Est-ce que Kent Hughes va dire, vous savez, dans notre échéancier là, avec Jeff Molson, on est là, d'accord qu'on part au moins une ou deux saisons? Là, tu es en train de faire friser Mathias, là, parce que lui, il aime ça, les reconstructions longues, puis il n'aime pas ça qu'on essaie de court-circuiter les reconstructions, là, qu'on veut aller trop vite, il n'aime pas ça. Là. Ah, mais ça. Il regarde ça. Je pense pas que Kent Hughes va prendre des décisions pour faire plaisir à Bob Hartley ou à Mathias. Il va prendre des décisions pour aider son équipe de hockey. Puis, suite à ce que ces hommes vont lui dire, ouais, je pense qu'on est prêt à pousser. Ben, Kent Hughes va se servir des munitions qu'il y a parce qu'il y a quand même
beaucoup d'atouts dans son jeu, beaucoup de choix au repêchage, beaucoup de bons jeunes défenseurs que tantôt, ces jeunes défenseurs-là, là, qu'on ne pense pas qu'ils vont tous jouer à Montréal. Ils ne joueront pas tous à Montréal. Là. Il y en a qui vont cogner à la porte, il y en a qui vont se faire prendre dans la circulation. Là. Tu peux juste en garder un certain nombre. Donc, Kent Hughes va avoir beau jeu. Il va pouvoir peut-être essayer de prendre la perche d'un côté ou de l'autre. Mais il reste que, tu sais, où on est dans le programme de reconstruction du Canadien, nous, on voit une progression. Mais c'est quoi la courbe? C'est quoi les décisions de Kent Hughes versus le futur immédiat du Canadien? On va te dire une affaire. Avec la progression de Slafkovský, t'as-tu pas envie de dire... Tu sais, mettons que Slafkovský, tu pensais que ça prendrait 4 ans avant qu'il y ait un impact. Ben ouais. Avec la façon qu'il joue là, t'as-tu pas envie de dire « Hey, on s'en va du bon côté, là, parce qu'il est vraiment un joueur... » Moi, je le trouve impressionnant. Là. Pour vrai, j'aurais jamais pensé ça d'un gars de deuxième année. Je vais te dire, c'est un joueur de premier trio dans la Ligue nationale, comme celle-là. Il est pas là par défaut. Là. Non, non, c'est ça. Il a mis sa place. Il a grandi dans l'opportunité qui se présentait à lui. Et puis, je vais te dire... dans toutes les sphères de jeu. T'sais, défensivement, il y en a encore à apprendre, mais tu vois que le désir est là. Puis surtout, l'engagement est là. T'sais, il y a tellement de jeunes de 20 ans qui ont juste une chose en tête, c'est marquer des buts, puis ils se contrefichent de ce qui se passe dans leur zone. C'est pas le cas avec Slafkovský. Donc, moi, je regarde là, dans toutes là, les cases qu'on pourrait cocher du point de vue physique, du point de vue vitesse, du point de vue force physique, force mentale, lancer au filet, offensif, défensif. Je vais dire, il n'y a pas grand faille dans son jeu, Slafkovský. OK. Maxime nous écrit, il dit « Bonjour, j'aimerais saluer Bob. J'ai voulu aller le saluer et lui faire signer mon calendrier la semaine dernière en Floride, mais il n'était pas là. C'est de la part du fils de Claude, lui qui a fait des trous d'ancrage dans son entrée. » OK. Ouais. D'ailleurs, parlant de calendrier, aujourd'hui, on tourne la page. C'est le calendrier flop, Martin. C'est Steve Bégin et le mois d'avril pour le poisson d'avril qui est à l'honneur. Donc, encore une fois, gros merci à tous ceux qui se sont procurés le fameux calendrier. Bob, les Panthers, ce soir, jour de match, Canadiens-Panthers. On sait que Montembeau sera devant le filet. On ne sait toujours pas du côté des Panthers parce que hier, c'était Bobrovsky, mais il s'est fait chasser du match après 5 buts. Donc, toujours pas confirmé. Si tu es le coach, Paul Maurice, est-ce que tu reviens avec celui qui est supposé te mener loin en série, Bobrovsky, ou tu lui donnes congé puis tu amènes Stollard? Ben, Stollers, quand même, mais j'ai regardé, parce que je veux dire, j'aime regarder les Panthers parce que il y a de l'action, ils jouent dur et ils jouent de la bonne façon. Stollers, c'est un excellent gardien de but. Moi, je l'ai vu jouer avec les Knights de London à Coupe Memorial à Shawinigan. Et puis, je veux dire, c'est un gardien de but qui m'a toujours impressionné. Puis, je trouve que lui aussi, comme beaucoup de jeunes gardiens de but, il a fait ses classes et puis aujourd'hui, on peut dire que c'est un très bon substitut dans la Ligue nationale. Donc, Un des rares en bas de 2 de moyenne avec 926 de pourcentage d'arrêt. Mais pour ton gardien, pour ton Bob, tu ferais garder Bucky? Pour les quoi? Parce que Bob s'est fait sortir hier. Tu le ramènes-tu dans l'action tout de suite ou tu lui donnes congé? Correct. Je reviens avec Stollers. J'ai aucun problème avec ça. Hier, Bobrovsky n'a pas été très bon, mais je pense qu'il a été moins pire, surtout dans les 2 premières périodes que le reste de son équipe. Défensivement, hier, les Panthers n'étaient pas là. Soudainement, il n'était pas harmonieux. Je ne sais pas si c'est parce que c'était Ryan Reeves qui était de l'autre côté, mais j'ai trouvé les Tkachuk et compagnie très, très silencieux. Et puis, tu sais, tu vois à Toronto, tu vois à Montréal, là, peu importe que tu sois américain, canadien, n'importe quelle nationalité, je vais dire, ça sent le hockey, c'est de beaux amphithéâtres à jouer parce que tu te sens bien, il y a de l'ambiance. Et puis, je vais dire, à part de la 3e période où que les Leafs nous ont montré leur carence en défensive, là, les Panthers n'étaient pas là. Ils ont fini par faire un match, puis c'est pour te montrer la force de frappe. Lorsque cette équipe-là commence à jouer comme elle est capable, je vais dire, moi personnellement, je vois une finale Colorado-Floride en finale de Coupe Stanley. On va s'en parler demain après le match. Les gens qui nous écoutent vont avoir une meilleure idée de qui sont les Panthers de la Floride. Je te laisse aller, Bob. J'ai le commissaire de la LHJMQ qui vient nous jaser, entre autres, de langue. Tu as entendu ça la semaine passée? Oui, j'ai vu le sermon de notre célèbre Ben Roger. Oui. On va s'en parler si tu veux demain. Ouais, c'est ça. C'est la Ben qui me rappelle, mais qui est du temps libre.
Salut, Bob. Salut, tout le monde. Salut. Bye. Bye-bye. FX, notre question du jour. Même si Cole Caulfield a seulement marqué 3 buts lors de ses 24 derniers matchs, Martin Saint-Louis n'a rien à reprocher au jeu collectif à la production de Caulfield. C'est ce qu'il a mentionné un peu plus tôt aujourd'hui devant les médias. Vous, chers partisans, est-ce que la production offensive du numéro 22 vous inquiète? À 53,7%, non. À l'heure actuelle, au sondage. C'est serré. Déjà beaucoup, beaucoup de votes de rentrée sur nos plateformes Twitter, X et Facebook. C'est très, très, très serré. Allez voter sur nos différentes plateformes. On va être tout de suite rejoindre notre invité. Ça a fait couler beaucoup d'encre la semaine dernière, cette histoire de langue. Et pourtant, je m'en suis même pas rendu compte. Ça a commencé dans mon émission du midi à Ongeaz avec Denis Gauthier qui avait un coton ouetté qui disait « playoff ». Et là, il y a le chef du Parti québécois qui s'en est mêlé sur les médias sociaux. On s'en va rejoindre le commissaire de la LHJMQ, Mario Cicchini. Salut! Salut Martin, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va bien. C'est plate parce que, tu sais, je te connais un peu, Mario, sans dire qu'on est meilleurs amis du monde. Puis j'ai entendu plein d'affaires, puis des fois, je me disais, j'ai comme l'impression que je défends Mario, qu'il n'y a pas besoin de se faire défendre, mais c'est tellement pas connaître Mario Cicchini de tout ce qu'on t'a accusé depuis 4 jours. Comment t'as réagi quand t'as vu la sortie de M. Plamondon? Bien, d'abord, ça a été surprenant jusqu'à un certain point. Je ne doute pas, connaissant, en fait, c'est pas vrai, là, je suis comme toi, là, je veux dire, observant l'individu, ben, je le connais pas, mais voir tout ce que M. Plamondon a fait sur la scène publique depuis 2 ans, je pense pas que c'est quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qui a ses convictions. Alors, je mets pas du tout en doute ses convictions de ce côté-là. Je pense qu'il croit qu'est-ce qu'il dit. J'espère qu'il cherche pas juste du capital politique. T'sais. Ceci étant, j'ai été surpris quand même par la nature du tweet qui, des fois, semblait presque, ma foi, personnel jusqu'à un certain point, comme tu dis. Puis ça, ben oui, c'est un peu mal me connaître, t'sais, parce que l'ensemble de ma carrière professionnelle, c'est souvent fait à l'intérieur de groupes pan-canadiens où j'étais à l'inverse celui qui défendait beaucoup, appelons ça la francisation, là, tu sais, le respect de ce que nous, on était à l'intérieur de cette compagnie-là. Alors, donc oui, j'étais surpris un peu, puis voilà, tu sais, après ça, on a répondu, je pense que tu as vu, Martin, on a mentionné même ce qui est anecdotique, tu sais, dans ma tête à moi, on n'aurait jamais fait de pub avec ça, ce que j'ai dit la semaine passée, genre que la LHJMQ a demandé d'embaucher quelqu'un au contenu pour bien servir, faire connaître la LCH au niveau québécois. On l'avait pas crié haut et fort, la personne est arrivée depuis le 1er septembre, tu sais. La petite anecdote, mais tu sais, je dis ça aujourd'hui, je me rends compte encore une fois, malgré tout, on apprend chaque jour qu'avec la langue, peut-être qu'il n'y a rien d'anecdotique, parce que c'est des t-shirts dans un cercle fermé, hein, c'est important de le rappeler, c'est fait pour 22 joueurs, c'est pas un panneau publicitaire. Je peux comprendre la réaction parce qu'ils l'ont mis sur les réseaux sociaux. Fait qu'à partir de ce moment-là, tu t'exposes et tu t'exposes au public. Mais tu sais, à la base, c'est pas non plus c'est pas une campagne de pub ou c'est pas un élément de communication au grand public. Puis ça, pour moi, c'est très important parce que ce que je veux pas non plus qu'on retienne, c'est que c'est pas vrai que la LHJMQ respecte pas la langue française. Mais là, c'est pas vrai. Attends une seconde. Ça, ouais. Moi, là, ça m'a fait débarquer de mes souliers, là. Élise Lefebvre, en entretien à TVA. Madame Lefebvre est une femme politique québécoise, on écoute. Monsieur Cicchini, là, quand il est arrivé, un de ses premiers gestes a été de rendre la Ligue junior majeure du Québec, premièrement d'effacer un peu le Québec pour ajouter les Maritimes, ça c'est une autre chose. Tu sais, du monde politique qui ne savent pas de quoi ils parlent. Comme si c'était toi, tu étais arrivé et tu avais décidé de rentrer des équipes des Maritimes. Ouais, écoute, c'est vraiment ça, c'est un peu tu sais, encore une fois, on va donner on va être élégant, puis on va donner le bénéfice du doute sur peut-être la non-connaissance de tout ça. Tu sais, écoute, ça fait 30 ans que les Maritimes sont avec la Ligue. Le geste, le fameux nom, qu'on semble relier ça, là, le fameux nom. Puis là, il y a un gros mélange là-dedans, là. Mais disons que je joue le jeu puis que je réponds à ça. Écoute, la plupart des experts en marketing, parce qu'un nom, c'est une marque, c'est une identification,
était très, très à l'aise avec notre changement, avec notre ajustement. Tu sais, c'est pas... Écoute, on a fait un sondage au mois de janvier. Après le changement de nom, un mois, il y a 10 % de nos fans de la Ligue qui ont trouvé que c'était pas une bonne idée. Quand tu isoles le Québec, 11 %. Alors que 48 % de nos fans ont trouvé que c'était une bonne idée. Et le restant, plutôt indifférent. Alors ça aussi, il faut le mettre en perspective. Je comprends qu'il y a des journalistes, surtout, qui n'ont pas aimé. Donc, ils ont le micro, ils ont le crayon ou l'ordi, c'est parfait. Ils ont le droit à leur opinion, je respecte ça. Mais en même temps, là... Oui, il y avait le collègue Stéphane Leroux qui, tu sais, c'est son bébé depuis je sais pas combien de temps avec Hockey Junior Major du Québec, mais tu sais, il n'a pas déchiré sa chemise non plus sur la place publique. Non, puis Stéphane et moi, tu sais, c'est justement quand tu parles, lui, il sait de quoi qu'il parle, quand il parle de ce dossier-là. On s'est parlé le lendemain, puis je pense qu'il avait retweeté un peu le mercredi, mardi, en disant, tu sais, dans la vie, il y a pire que ça. Puis je pense que Stéphane a vu juste là-dedans, tu peux ne pas aimer. Mais il n'y a pas de complot là-dedans, il n'y a pas d'anglicisation là-dedans, mais comme pas Mario, du tout. Là. Je t'arrête, je m'excuse, je sais que tu as un meeting à E30, j'essaie de maximiser. Moi, je suis convaincu que M. Plamondon ne t'a jamais appelé avant de faire son tweet. Après ça, non, mais d'ailleurs, moi, non, puis c'est correct, ça aussi. Là, toi, te l'as-tu rejoint? Mais moi, je vais l'appeler, c'est sûr que je vais, en tout cas, s'il désire s'asseoir avec moi puis jaser, parce que je veux mettre les points sur les i. Que les deux, on comprenne bien nos objectifs communs. Je ne pense pas que quelque chose comme ça vaut une enquête ou une commission parlementaire. T'en penses quoi de ça? C'est un peu... je pense qu'il y a d'autres façons de dépenser les fonds qui ont été bien gagnés chèrement par les contribuables québécois, si on parle en politique. Et surtout, Martin, on n'a jamais... l'équipe a émis tout de suite un communiqué de presse. Dans la majorité du temps, la communication est française en anglais. Demain matin, qu'on s'assoie et qu'on dise qu'est-ce que vous souhaitez. Moi, j'ai jamais refusé de discuter. S'il y a des éléments qu'on peut ajuster, on va le faire. On est très, très parlable de ce côté-là. Ceci étant, il faut que tout le monde voit la réalité, voit les vraies choses que l'on a fait, puis arrêter de nous dépeindre potentiellement comme des gens qui sont anti-québécois quasiment. Là, ça n'a rien, ils respectent pas rien la à langue. Voir. J'ai une pas ça du tout. Benoît, puis moi, tu sais, tu connais Benoît aussi. On se colle souvent, puis on demeure amis, même si on n'est pas obligé d'avoir la même opinion. Les deux, on pense que c'était un faux pas des voltigeurs. Les voltigeurs ont annoncé qu'ils corrigeraient le tir. Mais même deux amis qui pensent différemment comme Ben et moi, je pense que le chandail doit être bilingue. Je crois à l'inclusion. Et Ben, lui, pour lui, c'est la Ligue d'hockey junior maritime du Québec, mais c'est démarré au Québec. Et c'est une ligue qui appartient aux Québécois et que ça devrait être une langue française. Tu te places où, toi, là-dedans? Ben, écoute, la réalité de la vie... Moi, j'arrive ici après 55 ans d'histoire, puis la réalité de la vie, c'est que ça fait 30 ans que tu opères dans 4 territoires. Ça, c'est une réalité, Martin et Roger. On peut pas la changer. T'sais, on peut pas changer ça. Tu as 25 % de tes fans. Ça voudrait dire, selon ce raisonnement-là, qu'on perdrait notre logo LCF, qu'on perdrait notre logo LNH. Ça voudrait dire que les Québécois qui supportent la Ligue nationale de hockey ou la Ligue canadienne de football ne verraient pas d'affiliation. Moi, ce que je prétends, c'est que si on veut être reconnu, il faut reconnaître, puis je l'ai dit souvent la semaine passée, c'est la première fois de ma carrière que je me trouve dans la position du majoritaire. Je pense que toi et moi, on l'avait dit ça ensemble. Si on veut être inclus, bien des fois, il faut inclure. Oui. Alors à partir de ce moment-là, pour moi, c'est le même principe. Puis le fait que la Ligue en parlait depuis longtemps, puis qu'on a juste mis le point final à cette conversation-là, c'est parce que c'était quelque chose qui valait la peine de discuter. Sinon, ça ne reste pas dans la mémoire collective ou dans la conversation collective si longtemps. Moi, ça m'est juste apparu logique, comme les comparaisons que je donne avec les autres ligues. C'est surtout, d'abord et avant tout, de reconnaître les personnes là-bas qui nous supportent. On peut dire, c'est sûr qu'on s'occupe de la jeunesse québécoise au hockey, mais la LHJMQ aujourd'hui s'occupe aussi des jeunes du Nouveau-Brunswick, s'occupe aussi des jeunes de l'île du Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve, par conséquent, même s'il n'y a pas d'équipe. Mais on devrait juste être fiers que ça a commencé au Québec, puis ça s'est étendu un peu comme
Je ne ferai pas de comparaison boiteuse, mais quand une compagnie d'ici fait affaire puis réussit en Ontario, puis après ça réussit aux États-Unis, puis après ça réussit de façon internationale, ben on peut juste être fier. Je vois pas pourquoi c'est pas la même chose. Ben veut réagir. Mario, il y a une chose. Moi, dans les maritimes, dans les deux langues, c'est parfait. J'ai aucun problème avec ça. Je veux juste répéter qu'à Drummondville, qu'à Gatineau, qu'à Shawinigan, qu'à Rouyn-Noranda, qu'à Val-d'Or, que là, ce soit en français seulement. C'est tout ce que je demande. Le reste, les maritimes, je comprends qu'il faut que ce soit dans les deux langues. Je comprends ça, là. Mais quand tu parles de il faut savoir de quoi on parle. Le devant du chandail, là. Tu sais, le devant. Tantôt, Ben, tantôt, je t'ai appelé Roger. Oui. Excuse-moi. ça m'arrive tout le temps. Ben. Ça m'arrive tout le temps. Mais écoute, ça se passe dans les deux langues à 95% du temps. Il y a eu, je te dis pas là, parce que là, je suis pas là dans le vestiaire, je suis pas là dans les équipes, oubliez pas. Puis en plus, on n'est pas une compagnie, là. C'est 18 compagnies avec leur marketing différent qu'on veut qu'ils soient différents pour se démarquer. Mm-hmm. Alors, c'est pas sur ma responsabilité, ça là, direct. Tu sais, comme Gary Bettman, n'est pas responsable du marketing des Canadiens puis des Flyers. Exact. Ceci étant dit, là, je veux être bien clair avec tout le monde qui écoute, là, je suis pas en train de me comparer à Gary Bettman. Là. Je vais juste parler de la job, tu comprends? Mais c'est un peu en ce sens-là, Ben, au fond, ce que je te dis, c'est que c'est toujours comme ça. Puis tout ce qui est face au client, face au consommateur, j'espère que personne n'a de doute sur ça, là. Tout ce qui est communication, publicité, c'est en français absolument respecté. Là. Ouais. Ça, il n'y a aucun enjeu sur ça. L'autre question à se poser, ben là, c'est jusqu'où la réglementation va après. T'sais. Ce que j'ai beaucoup entendu depuis 5 jours aussi, il y a quand même des gens, moi, qui m'ont appelé, qui sont un peu inquiets. Est-ce que Ben Roger va pouvoir mettre un T-shirt des Eagles de Philadelphie disant « Property of the Eagles » si tu t'affiches sur le site web dans un concours que le BPM Sport va organiser pour le Super Bowl? On a eu la conversation dehors des ondes, c'est exactement l'exemple que j'ai donné sur ça. Tu as fait raison. Tu sais, sur ça, il faut, si les jeunes ne mettent pas ça sur le site web ou sur les réseaux sociaux, on n'en parle probablement pas. C'est clair. Alors, ça ne veut pas dire que c'est correct. Puis des fois, ça arrive, ça. Puis une situation de même, ça nous permet d'aller de l'avant tout le temps. Moi, j'ai toujours regardé ça de cette façon-là. Mais il faut quand même se poser la question, parce que là, on n'est pas dans l'affichage aux consommateurs, on n'est pas dans l'affichage public. Alors, c'est juste de regarder ça. Encore une fois, là, je suis pas en train de dire que les gilets devraient être en anglais. C'est pas ce que je dis au moment. Non, moi, je t'ai parlé bilingue ou français, ouais. C'est ça. On recule, puis on prend un peu de recul sur ça, puis on garde ça. Mais je veux dire, la majorité de nos gilets, de nos équipes, les 12 équipes sur le territoire du Québec, au Québec, sont minima. En tout cas, au moins bilingues. Tu sais, c'est sûr. Je voulais t'entendre là-dessus, Mario, mais là, c'est pas moi qu'il faut que tu laisses, c'est toi qu'il faut qu'il me laisse. Tu as un meeting, mais on va se reparler, premièrement, faire un suivi, voir si tu as rejoint M. Plamondon, et surtout, c'est le début des séries dans la GMQ, et il y a une saison qui s'est terminée, il y a des choses qu'on peut jaser encore, fait que je te rappelle. Oui, c'est surtout ça, puis si je prends une seconde, la seule affaire qui est, tu sais, le timing n'a pas été le fun, parce que ça a enlevé l'espèce de faisceau lumineux sur nos jeunes qui commençaient leur série la semaine passée, mais j'invite tout le monde là parce que c'est bien parti. Il y a plein de matchs en supplémentaire. Il y a des bonnes parties. Il y a des surprises à date. Alors c'est bien parti. Puis on espère que ça va mener une autre coupe mémoriale, une 5e. Lâche pas. Bon meeting. On se reparle bientôt. Merci Mario. Merci. Bye bye. Salut. Bon, des nouvelles dans le cas des Lions de Trois-Rivières. On vous revient avec ça dans quelques instants et le montage de Ben Roger. Bougez pas. BPM Sport, le meilleur plan de match radio du printemps à Montréal. Les gars, l'hiver a été dur. Là, vous allez informer et divertir nos auditeurs avec passion. Ta journée de sport sur 4 quarts. Dès 6 heures, notre kick-off. Le club du matin avec Max Lalonde, Gilbert Delorme, Anthony Desaulniers et Alexandre Langteau. Dès 10 heures, place au deuxième quart. Avec Max Vanout en direct. Du sport full contact. Pendant 120 minutes. Animateurs et auditeurs, on est tous dans la même équipe. Vous allez les divertir. OK! Gonzo! Yes, sir, coach! George, envoie sur le terrain. OK, coach! Dès midi, un troisième quart qui brasse. Georges Larac, Stéphane Gonzalez, Benoît Rocher et leur armée d'auditeurs. Avec Tony Marinaro aux unités spéciales. Le plus gros show de la mi-temps à Montréal.
et à 14h54, le dernier quart. Martin Lemay, Mathias Brunet, Bob Hartley et les experts du Choc des idées dirigent l'attaque de ton retour à la maison. Les gars, ça c'est BPM Sport. L'équipe gagnante à toute heure de la journée pour soulever le grand trophée. Facebook Live. À 15h38, on avait pris un peu de retard sur la pause pour pouvoir permettre à Mario de nous jaser avant son meeting. Mario Cicchini, d'ailleurs, si vous voulez réentendre l'entrevue, ça sera disponible sur nos médias. Il y aura quelque chose qui sera fait par Olivier, là, ses médias sociaux. Je ne sais pas comment ça marche. Mario Cicchini, c'est un chic type. Jamais je n'ai douté de lui par rapport au problème avec la langue. Ben jamais, même pas une seule seconde. On l'a dit, c'est un faux pas des voltigeurs. C'est tout. Faut pas des certains paliers gouvernementaux, certaines personnes politiques aussi. Ouais, là, l'enquête puis tout ça, c'était beaucoup trop charrié. L'enquête, elle a dit que Mario veut effacer le Québec. Non, ça, il y a eu vraiment beaucoup. On s'est égaré. Christian qui dit un sac, tabarbip, que c'est clair quand c'est bien expliqué. Ben oui. Mario est excellent là-dedans. Il est très, très bon. Ouais.
Moi, par rapport au montage du jour, j'avais pas d'idée. Moi, en fin de semaine, j'ai décroché. Complètement. Mais complètement. Ce matin, je me suis levé puis je me suis dit, ça va être l'excuse. J'ai décroché, je vais pas regarder trop de sport. Pis... Mais non, là, j'ai eu un flash. Oh, Canadien-Floride. Canadien-Floride. Ah oui, c'est vrai. Ça peut être bon, ça. Alors, parce que j'ai redécouvert une toune en fin de semaine, puis je l'ai mixée avec des éléments. Et j'aimerais tout de suite vous dire, il y a un avertissement que je suis allé chercher, là. Avertissement qu'on met avant les films, là, la télévision, là. Alors, peut-être que c'est pas un montage pour les petits-enfants. Je vous avertis tout de suite. J'ai, j'ai même mis un avertissement avant. OK? On y va. Ce film comporte des scènes de violence pouvant ne pas convenir à un jeune public. Le jugement des parents est conseillé. Oh, pas de la marde. Écoute, c'est parfait, ça. C'est une excellente affiche et ça dit ce qu'il a dit. Non, c'est pas assez tough. Faut montrer du sang, montrer des blessés pis un gars qui reçoit un genou d'un gosse. Maudite marde. Mets-moi la carte de la Floride pis quelques tétons, quoi. C'est une belle pancarte, là, qui dit club avant. Je veux pas de tétons pis je veux pas de belle pancarte qui dit avant. Joe, qui c'est que c'est les chiefs? Qui sont les chiefs? Qui sont les chiefs? Qui sont les chiefs? Qui sont les chiefs? Je le sais pas. OK. C'est qui? Il sait pas. Qu'est-ce que tu as demandé exactement? Ben, qui c'est que c'est les chiefs? Puis, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, qui sont les chiefs? Qui sont les chiefs? Oh, pardon, qu'est-ce que c'est ça? Manamana. Ça fait Lyon 3. Manamana. Manamana. Je me sac, moi, qui c'est les chiefs? J'haïs ça ici, ça me rend malade. Mon allergie est revenue, puis je renvoie tout le temps. Yeah! Hostie, ça m'écoeure! Ah, je sais, toi, gardien de but, sont pareils. Hey. Ça appartient à quelqu'un, les chiefs. Moi, je vais en Floride, hostie, c'est là qu'est le mouton. C'est fait plaisir. Comment il a pu penser à ça? Moi, c'est, je me dis... Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Benoît Roger. Là. Qu'est-ce qui se passe? Il avait envie de réentendre des segments de Slapshot, puis... Karine, en fin de semaine, elle me dit « Hey, ça vient d'où ça, cette toune-là? Je sais pas pourquoi ça m'est apparu par rapport à Manon Manon. Manon Manon. » J'ai trouvé la toune, parce que moi aussi, ça me disait de quoi. Je l'ai écoutée je sais pas combien de fois en fin de semaine, une dizaine de fois, c'est tellement ridicule. Les Muppets Show ont repris la toune. Et là, la Floride, ce soir. La Floride, c'est là qu'il y a le mouton. Mais c'est quoi le rapport avec... C'est j'ai comme segmenté en sketch. Ouais, j'avais compris. T'as compris le concept? Ça, oui. Bon, ben, pose-moi pas la question, si t'as compris. Ben, c'est parce que je demandais, comme ben, FX, tu sais... Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? C'est te manger. C'est l'univers singulier de Benoît Roger. Oui, c'est ça. C'est ça qui arrive. Disponible sur une bonne plateforme près de chez vous. Absolument. Vous pouvez écouter. on vous rappelle notre question du jour sur les médias sociaux. Également, jour de match Canadien-Panthers ce soir. Martin Saint-Louis s'est adressé aux médias plus tôt aujourd'hui. Confirmer la présence de Samuel Montembeault dans le filet. FX a été généreux, Martin Saint-Louis, encore une fois, jour de match. Oui, il a été très généreux avec les médias. Parlé au moins une quinzaine de minutes facilement à tous ceux qui étaient sur place. Et notre question du jour concerne Cole Caulfield, parce que dans le cas de Caulfield, il a marqué 3 buts lors de ses 24 derniers matchs. Et la semaine dernière, on se rappelle, un des gros sujets à 3 dans l'émission, ça avait été de dire « Est-ce que vous seriez prêt à mettre 500$ que Caulfield va marquer éventuellement 45 buts dans la Ligue nationale? » Et Ben et moi, on était 100% d'accord avec ça. Prête. On est prêt à mettre 500$. Peut-être que dans 12 ans, vous allez devoir payer. Mais si Cole fait une carrière de 12, vous êtes sain et sauf pendant 12 ans. Parce que... Non. C'est une mauvaise... Ça va payer, je pense. Ça va, oui. OK, mais la question a été posée. Vas-y. Mais la question est légitime. C'est Anthony Martineau qui posait la question à Martin Saint-Louis. Est-ce que ces 3 buts en 24 matchs, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète chez Cole? Martin Saint-Louis n'est pas inquiet de la production offensive de Cole Caulfield. Je vous laisse entendre. Cole, c'est un joueur qui est capable d'aller avec des séquences, tu sais, là. C'est d'aller chercher le prochain puis d'embarquer là-dessus. Il a ses chances. C'est juste qu'il ne rentre pas présentement. Puis des fois, la game est difficile. Tu sais, mais son jeu collectif, sa production, j'ai rien à reprocher. Cole, je l'ai dit, il va toujours marquer des buts. Fait que je suis pas inquiète qu'il
qu'il y en ait 20 ou 30 ou 40 cette année, que c'est que je suis content, c'est que je trouve qu'il est devenu un joueur de hockey. Pensez-vous comme Martin Saint-Louis, si c'est le cas, allez sur notre sondage BPM Sport. Comment savoir une disparité légère entre le oui et le non? Croyez-vous comme Martin Saint-Louis que ça va bien pour Cole Caulfield ou au contraire, vous êtes inquiet pour Cole Caulfield? 45% des gens sont inquiets et 55% ne le sont pas. Sur Twitter X, également sur Facebook, on prend vos réactions à cette question. Mais la question a été posée à Martin Saint-Louis. Mais la question est légitime. Son dernier but, là, c'est le 20 de janvier. Après ça, il y en a un à mi-février, deux en mi-février contre Calgary et un en mi-mars. Pour vrai, là, on le paye 7,8 qu'à mettre dedans. Il y en a deux en février dans le même match, puis un en mars. C'est difficile. C'est difficile depuis les fêtes. Ouais. Je vois le vibe, n'est pas me dire que. Ah non, bien, là. Période difficile. Okay. Il peut se ressaisir, il est jeune. La saison où Dominique Ducharme a été mis à la porte et qu'on a embauché Martin Saint-Louis, que Cole Caulfield avait une séquence incroyable à la fin de la saison, il avait terminé cette saison-là 23 buts en 67 matchs. Il est à 20 buts en 73 cette saison. Et vous vous rappelez, à cette époque-là, à ce moment-là... Il a tiré des rushs à Ducharme parce qu'il était pas capable de le faire marcher. Tout à fait, effectivement. Alors, puis quand Martin Saint-Louis est arrivé, il y a eu une séquence de matchs consécutifs avec des buts chez Cole Caulfield. Ça a été une très, très bonne fin de saison. Mais et pour vrai, dernier, 26 même, en 46. Là, un match de deux buts en février. That's it. That's it. Un but mi-mars. On est rendu en avril. That's it. Ça, là, c'est une production de Josh Anderson, puis on dit, bout de vierge, on le paye pour rien. On paye encore plus cher Cole Caulfield. Josh en a 8. Mais tu comprends, là, tu sais, un but par mois, là, je veux dire... Passé pour Cole, c'est un franc-tireur. Et si la progression se fait ailleurs dans son jeu? C'est une progression qui se fait défensivement, c'est une production qui se fait à... Il y a quand même 35 passes depuis le début de la saison. C'est quoi qu'on veut voir? Est-ce que c'est parce que le point important dans le cas de Caulfield, c'est de marquer des buts et c'est ça qui dérange? Non, mais ça revient à ce qu'on disait. S'il ne marque pas de but, il va faire quoi? T'sais, c'est pas lui qui met en échec l'adversaire. Non. Il joue pas en désavantage numérique, il récupère pas de rondelles. Oui, il est plus responsable. Oui, mais il est plus responsable. Vierge, c'est minimum. Mm-hmm. T'es un joueur de hockey, tu te dois de faire le minimum. Tu comprends-tu? C'est comme si, waouh, il est plus responsable. Mais oui, mais il joue au hockey. Faut que tu sois capable de jouer des deux côtés. Mais quand on dit faire quelque chose, il joue pas en désavantage. Il récupère pas de rondelles le long des bandes. Il bouscule pas. Mais toi, tu tripes pas dessus. Honnêtement, mais Martin, ça là, n'a aucun rapport. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me disent, c'est quoi la version qu'a Martin Lemay avec Cole Caulfield? Parce que tu penses que tu ne l'aimes pas tant. Ben non, je ne l'aime pas depuis la journée du repêchage. Mais j'ai dit... Tu ne l'aimes pas depuis le jour, depuis qu'on l'a repêché? Ben, je ne pense pas que c'était un bon choix au repêchage. OK. Tu sais, moi, à 5 et 6, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, et ce que j'ai dit au moment du repêchage, puis moi, je ne me rétracte pas, je l'ai dit, il va faire quoi s'il ne marque pas de but? Et aujourd'hui, on se pose la question, on va faire quoi s'il ne marque pas de but? Ouais. S'il ne marque pas de but, Cole, puis qu'il en marque 25 par année... C'est un flop monumental. Parce qu'il n'amène pas autre chose. Tu comprends-tu? Si c'est un joueur qui se redécouvre, se réinvente d'une autre façon parce qu'il y a un gabarit, parce qu'il y a un coup de patin, parce qu'il joue en désavantage numérique, si Cole finit ses années à 55 points chaque année, 25 buts, 30 passes, c'est un flop, on a manqué notre coup. Fait que c'est rien contre Cole, absolument pas. Chantal me parlait de Cole Caulfield tellement bien, je suis venu vous faire un éditorial sur Cole Caulfield pour vous dire à quel point ce gars-là aime jouer à Montréal, aime les fans du Canadien, à quel point il est proche des fans. Des fois, Chantal veut le soustraire, tu sais, pour pas qu'il se fasse achaler, puis il fait « Ben non, j'adore échanger avec les partisans, etc. » Ça strictement... Cole Caulfield est certainement, puis pas certainement, Chantal m'en a parlé, certainement un des plus gentils garçons qu'on a eu avec le Canadien de Montréal. C'est rien envers Cole Caulfield, c'est envers le Canadien a repêché un joueur de 5 pieds 6. Qui est supposé de marquer des buts, et j'ai posé la question, s'il n'en marque pas, on va faire quoi? Mais là, ça n'a aucun rapport avec Martin l'aime, Martin ne l'aime pas. Ça n'a aucun rapport avec ça. Je ne fais que vous parler de hockey, c'est même pas mon affection pour lui, parce que si j'avais un joueur à amener dans ma famille pour faire plaisir à qui que ce soit, tu sais, à un enfant, il n'y a personne d'autre que j'amène que Cole Caulfield. Mais quand je te parle de Caden Primo, quand je te parlais de Caden Primo dans le passé, tu le défendais bec et ongle en disant, il est jeune, laisse-y le temps. Oui. Caulfield est peut-être dans une mauvaise séquence. On verra l'an prochain. Absolument, mais en attendant, est-ce que je peux dire que moi, deux buts en février, dont les deux dans le même match, puis un en mars... C'est trop peu.
T'as raison. C'est pas d'être sur le dos de Cole Caulfield de dire ça n'a pas de sens. Non, mais t'as raison. Cette année a une très, 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 très mauvaise saison. Saison très ordinaire. Si on compare avec les joueurs qui sont payés le même montant. Merci, Ben, de m'avoir offert l'opportunité. J'espère que c'est clair pour tout le monde, parce que ça arrive de temps en temps du monde qui m'écrivait t'es contre Cole. Si vous saviez, je l'ai en haute estime, l'être humain qu'il est. C'est pas ça. Si on parle du joueur de hockey, point final, j'en ai plus contre les gens qui l'ont repêché que Cole Caulfield lui-même. C'est pas de sa faute là, si le Canadien l'a repêché. Et moi, je fais juste dire, s'il ne marque pas, il va faire quoi? Et on le vit présentement. Tu sais, t'aimes-tu ça, la chimie qui se développe entre Slafkovský et Suzuki? Oui. Tu sais, de voir que les deux peuvent se remettre la rondelle derrière le filet, que les deux campent, que les deux amènent la rondelle devant le filet, remportent des batailles en un contre un, etc. C'est le fun de voir ça, au lieu de voir que tu donnes la rondelle à Cole, puis Cole, de peur, va juste la poker dans le fond du territoire, ou il va freiner, il va perdre la rondelle. C'est désagréable pour un fan de hockey de voir ça. Puis c'est Jeff Skinner avec Buffalo, parce que là je dis Buffalo parce que je vois que Martin Biron est arrivé pour notre segment. Que ce soit Jeff Skinner ou peu importe ce petit genre de joueur-là qui... Fait que... Prenez jamais ça comme une attaque personnelle envers Cole. Non, c'est jamais personnel ça. Je pense qu'on va le répéter C'est juste que... C'est une saison décevante. Non, mais les statistiques mentent pas. De toute façon, les statistiques ne mentent pas. C'est 3 buts à ses 24 derniers matchs. C'est 20 buts depuis le début de la saison. Il n'y a jamais eu des performances comme ça dans la saison régulière où il a marqué plus de buts, même durant la saison du Charme. Toutes les statistiques sont là. On fait juste parler de sa production en termes de buts. Je comprends. Voilà. C'est ce qui est décevant parce que tu payes un certain montant où tu es censé. Parce que c'est censé être sa qualité première de marquer des buts. Qu'il en mette 40 dedans, là. Même pas besoin de mettre 50. Qu'il en mette 40 dedans. 45. Je vais être le premier à dire. Ah, il va le faire. C'est sûr. Tout un marqueur, le but. Parce que 40... Je pense qu'il va finir par le faire aussi. Mais... Tu sais, t'es en train de me dire même tantôt que Caden Primo, en jasant avec Bob, vous étiez quasiment en train de vous convaincre que Primo serait peut-être éventuellement le gardien numéro un devant Sam. Moi, tout ce que je te dis, c'est la même chose. Tu peux pas mettre un couvert pour dire qu'il sera jamais numéro un. Ben, on peut pas mettre un couvert sur Cole Caulfield. J'en mets pas. Je fais juste te pour dire ne pas dire qu'il ne va jamais compter 50 buts tu dans le match. Je viens juste de dire, Ben, s'il en marque 40, je vais l'appeler Goal Caulfield, comme tout le monde. Puis je vais te dire que c'est extraordinaire. Parfait. J'ai dit 40, pas 45, tu vois. Toi, tu vois, c'est ça. T'as barré. Même pas besoin de 45. N'oubliez pas, là, on parle d'une mauvaise, très mauvaise saison. 20 buts. Très mauvaise. 20 buts, quand même. Jour de match. Canadien Panthers ce soir, on s'en va au Sport Flash avec Ben. Flash. Et c'est bien correct, c'est Samuel Montembeau qui sera devant le filet pour un deuxième match de suite parce qu'il va pouvoir affronter son ancienne équipe. Ben oui, c'est parfait. Sam Montembeau devant la cage. Les Panthers en visite au Centre Bell. Caden Goulet sera de retour dans la formation après avoir purgé sa suspension d'un match. Il prend la place de Jonathan Kovacevic. Devant les médias, Martin Saint-Louis, il est allé encore d'une autre belle fable. Il est bon dans les belles histoires. Il a parlé de maison. Ils vont vivre dans la maison qu'ils sont après bâtir. Fait que t'es mieux de prendre soin de ta maison. Fait que c'est ça, les jeunes. T'sais, moi, je veux pas qu'ils arrivent dans 4-5 ans puis ils soient fâchés de la maison qu'ils ont bâtie. C'est leur maison. Alors donc, on va suivre ce match de près. Mario Cecchini était avec nous il y a de cela quelques minutes. Il est revenu sur le chandail en anglais des Voltigeurs. Il a été surpris des accusations de Paul Saint-Pierre Plamondon parce qu'il dit avoir passé toute sa carrière à défendre le français au Canada. Il a dit également que PSPP ne l'a pas appelé, mais qu'il aimerait le rencontrer. Moi, je suis convaincu que M. Plamondon ne t'a jamais appelé avant de faire son tweet. Après ça, non, mais d'ailleurs, moi, non, puis c'est correct, ça aussi. Là, toi, l'as-tu rejoint? Mais moi, je vais l'appeler. C'est sûr que je vais, en tout cas, s'il désire s'asseoir avec moi puis jaser, parce que je veux mettre les points sur les « i ». Que les deux, on comprenne bien nos objectifs communs. Les Lions devraient demeurer à Trois-Rivières. Selon le journaliste Mathieu Vachon du Nouvelliste, les Lions termineront la saison à Trois-Rivières. Les gouverneurs de la ECHL ont accordé un sursis à la franchise. Les Lions qui pourront terminer leur saison régulière, la Ligue qui assumera la tutelle de la concession et s'acquittera de ses dépenses jusqu'à la fin de la saison. On verra pour la suite. Évidemment, après la saison en cours. Match à l'affiche dans la LNH, en pleine lutte aux séries, les Caps affrontent les Sabres, les Prédateurs reçoivent les Bruins, les Islanders qui tenteront de signer un deuxième gain de suite contre les Blackhawks et les Canucks qui visitent les Golden Knights au T-Mobile Arena. Au retour, le choc des idées s'en vient. Martin Biron sera là avec la vedette du mois d'avril dans notre calendrier. Bougez pas. Au retour, ça va jouer dur dans le trafic. C'est l'heure de pointe la plus physique au Québec. 15h57, le choc des idées
16h33, le shift de Mathias Brunet. Et on s'en va dans le vestiaire du coach Bob Hartley dès 16h58. Ça, ça va être du sport. Idée. Oui, le choc des idées avec Martin Biron. Salut Martin! Salut Martin, salut Steve, comment ça va les boys? Ça va très bien. Toi, la vedette du mois d'avril, comment ça va? Ça va toujours bien, moi, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Il savait qu'il était la vedette du mois d'avril dans le calendrier, je vais te le dire. Ouais, t'as moi, je suis la vedette 12 mois par année, là, mais écoutez, c'est ça. juste pour être sûr qu'on se rappelle bien de où ça vient. Flop, 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 Martin. Flop, 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 mon Steve. Eh oui, poisson d'avril. Toi, Martin, je t'ai vu passer à la TV l'autre jour. T'étais un peu couetté, puis là, t'as rebord la même coupe de cheveux de Steve. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est parce qu'à toutes les années, ça fait quasiment 10 ans que je le fais. Il y a une offre de charité à Buffalo, ça s'appelle Bald for Box. C'est un ancien enseignant qui a sa sœur, qui est enseignante aussi. En 2002, il passait par des traitements de chimiothérapie, alors elle perdait ses cheveux. Fait que lui, il a décidé de lever des fonds pour la recherche sur le cancer, puis de supporter sa sœur. Fait qu'à l'école, ils y ont rasé la tête. Il avait ramassé 3 600 $ cette année-là.
Alors, tu pars à peu près une vingtaine d'années plus tard. Ils ont déjà ramassé au-dessus de 6 millions dans les 20 ans. Puis pour les recherches sur le cancer, fait qu'à toutes les années, on fait un Bald for Box à la télévision, puis je me fais raser la tête, puis c'est bien le fun. Chapeau à toi. Chapeau pour toi, moi. Ouais, ben, t'en plais ça. Chapeau à toi. C'est. Tu sais, on parle de gars qui n'a pas de cheveux, là. En passant, Steve, JP, il vient de me texter, JP Dumont, il dit « Salut, a besoin de ma part. » Hey, t'as une note, check ça. Oh, ben, regarde, il est voilà. À côté de toi. T'es avec le beau Jean-Pierre Dumont présent. Hey, je ne l'ai pas texté hier, lui, c'était sa fête hier, maudit. Bonne fête, ben JP, oui. Le 1er avril, poisson d'avril, tabarouette, j'ai oublié. Bonne fête, JP Dumont. Les gars, il va bien? JP va super bien, ouais, il peut pas aller mieux que ça, il est avec moi présentement. Bon. Je m'en occupe, les boys, inquiétez-vous pas. Fly high, mon Steve, fly high. Fly high. J'aime ça. Hey, les gars, puis tu sais, c'est correct, il y a des gens qui m'écrivent avec respect, d'autres qui, quand on touche à Cole Caulfield, c'est un petit peu plus, je vous dirais, cinglant. Martin Saint-Louis est interrogé aujourd'hui sur Cole a seulement 3 buts en 24 matchs, 2 en février, dans le même match, et un en mars, bien sûr, dans le même match, autour du 15 mars, puis les deux dans le match autour du 15 février contre les Flames de Calgary. C'est un but par match, c'est des buts dans un match par mois seulement. Martin Saint-Louis s'est dit pas inquiet du tout pour Cole Caulfield, puis moi j'ai dit, ben pas inquiet, je suis d'accord, mais faut pas que ça reste comme ça, c'est un peu inquiétant. Alors j'ai demandé aux gens s'ils étaient inquiets, puis je vous dirais que c'est proche du 50% pour les auditeurs. Vous en pensez quoi, vous autres, de cette séquence-là de 3 buts de Cole Caulfield en 24 matchs seulement? Martin? Ben regarde, je suis pas inquiet parce que je me dis il y a quand même 55 points cette année. T'sais, si, mettons, là, l'année prochaine, Cole Caulfield te donne 20 buts, 50 passes, 70 points. Tu vas dire, bon, il y a ses 70 points, c'est correct. Mais la chose qui m'inquiète, c'est que là, quand tu regardes les matchs, tu le vois pas. Tu vois pas Cole avoir de grosses chances de marquer, d'avoir son lancer, d'avoir un lancer, un rebond. Ah ouais, on attaque, on est là en avant du filet. Tu vois Suzuki, tu vois Slavkovski, tu vois les défenseurs s'amener à l'attaque, mais tu vois pas Cole Caulfield. C'est ça qui m'inquiète un peu. Alors, d'avoir les points, OK, c'est quand même bon. Là, tu sais, d'un joueur qui va avoir 65-70 points dans une saison, c'est très, très bon. Mais Cole Caulfield, il faut qu'il soit menaçant. Présentement, il ne l'est pas. Steve? Ben, je pense que tu as tout à fait raison, Martin. Présentement, il n'y a pas raison de s'inquiéter. Oui, tu sais, les attentes, on nous, là, c'est nous autres qui les faisons. Là, avant chaque début de saison, on est là, cette année, il va scorer entre 40 et 50 goals. Là, puis tout le monde haut la main, c'est sûr et certain. On a notre scoreur. Mais peut-être qu'on est après se rendre compte que c'est pas le scoreur qu'on attendait. Oui, c'est un petit joueur. Mais comme Martin a dit, moi, présentement, ça m'inquiète pas qu'il marque pas des buts. L'an prochain, peut-être un petit peu plus, mais c'est peut-être là qu'on va se dire, écoute, regarde, il y a 20 buts, OK, c'est bon, mais il y a 70 points. C'est super, ça. Mais on doit le voir faire autre chose sur une patinoire. Il doit être bon, meilleur défensivement. Il doit créer des opportunités pour ses coéquipiers. Et il doit lui-même avoir plus de chances de marquer qu'il en a présentement. Il doit s'impliquer un petit peu plus. Puis Martin l'a dit en début d'année, je ne suis pas inquiète parce qu'il est après s'améliorer défensivement. Il est après faire autre chose. OK, mais là, on ne les voit pas, ces autres choses-là, présentement. On en a besoin. On a besoin de plus de lui. Mais en espérant que c'est le marqueur qu'on attendait. Mais moi, je crois aussi qu'il va être un meilleur marqueur lorsque l'équipe sera meilleure, lorsqu'il y aura d'autres marqueurs de 20-25 buts dans l'équipe. Je pense que lui, il va prendre, excuse-moi du terme, mais une coche, il va marquer encore plus de buts à ce moment-là. Jour de match Canadien-Panthers ce soir. On met la table pour ce match-là. C'est Samuel Montembeau qui sort devant le filet, Martin, qui affronte son ancienne équipe. On a vu sa réaction quand le Canadien avait perdu en Floride en tir de barrage. Même si on était sur une alternance, je trouve que c'est correct qu'on revienne avec Samuel Montembeau contre son ancienne équipe. Oui, puis regarde,
T'sais, il a bien joué contre la Caroline l'autre soir. Là. C'est pas lui, là. c'est pas sa faute, c'est pas son problème. Il fait sa job, il continue. Moi, je pense que Samuel Montembeau, tu dois le préparer pour la saison prochaine. Tu dois lui faire jouer là, les grosses équipes, les gros matchs. C'est ta responsabilité. Prends ça, mets ça sur tes épaules. Ah ouais, on y va. Alors, de dire tu joues contre Caroline, une des meilleures dans la Ligue nationale, tu joues contre la Floride, une des meilleures dans la Ligue nationale, je pense que c'est bon pour le développement, l'apprentissage, puis la place que Samuel Montembeau va prendre avec le Canadien dans les prochaines années comme le meilleur gardien de but, le gardien de but numéro un. Alors, moi, c'est totalement correct, même que, on s'est ostiné, Martin, mais je pense qu'il n'en joue pas assez, Samuel. C'est le fun de voir Caden Primo bien performer, mais moi, j'aurais vraiment profité de la fin de la saison pour y en donner encore plus. Pour le préparer encore mieux pour l'année prochaine. D'ailleurs, Primo va remporter la Coupe Molson ce soir, va aller prendre la photo avec le représentant Molson. Il est le 15e gardien de but qui a joué 18 matchs et plus avec le plus haut pourcentage d'arrêts dans la Ligue en ce moment. Même Bob a dit peut-être que le plafond est plus haut qu'on pense dans le cas de Primo. Il dit qui sait, peut-être c'est lui qui va commencer l'année prochaine la saison du Canadien de Montréal devant le filet. Steve, est-ce que le monde tomberait sur le derrière ou tout ce que le monde veut, c'est un gars qui arrête les rondelles? Ben, on veut quelqu'un qui arrête les gardiens. Moi, je pense les rondelles, pas les gardiens. Les rondelles, excuse-moi, les rondelles. Montembeau. Montembeau, c'est ton numéro un. Puis comme Martin l'a dit, là, tu veux lui donner la grosse charge, tu veux lui donner les grosses équipes. Puis présentement, c'est ce qu'on voit depuis un certain bout. C'est lui qui a les grosses équipes, c'est parfait comme ça. Moi, ce que je veux voir, c'est que, oui, Primo, on ne sait pas c'est quoi s'il a atteint son potentiel. As-tu atteint son maximum? On ne le sait pas encore. Je pense que les deux ne l'ont pas atteint encore. Je pense que non, mais c'est là que je m'en viens. L'an prochain, je veux que Primo qui arrive au camp d'entraînement qu'il soit exactement comme qu'il l'est présentement. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va pousser Montembeau dans le derrière, être encore meilleur. Puis je pense que ça va forcer Montembeau à être encore meilleur pour le Canadien. Puis c'est meilleur pour le Canadien. C'est notre numéro un. On veut ça. On veut une saine confrontation. On veut une saine... tu as besoin de ça, là, tu sais. Ton numéro 2, là, il te pousse en arrière et il veut ta place. Là. C'est pour un gardien, c'est pas le fun. Puis je pense que Martin peut te le dire, là, mais ça va le forcer à être meilleur encore. Puis Montembeau, tu l'as dit, on n'a pas vu son plein potentiel. Il y en a encore plus à nous donner. Puis c'est pour ça que je dis c'est notre numéro 1. Primo, oui, il va être un excellent numéro 2. S'il est numéro 1, ce ne sera probablement pas ici à Montréal. JP nous dit sa message de texte en plus. Il faudrait regarder également les adversaires qu'ils ont affrontés. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais déjà fait. JP a raison. Ouais. Samuel a eu des plus grands défis que Caden Primo a pu avoir. Mais tout à fait, ouais. Faut que tu fasses bien quand ta chance t'est donnée. Canadiens Panthers, ce soir, jour de match, on met la table. Martin, est-ce que les Panthers, c'est une meilleure formation que l'an passé qui se sont rendus en finale de la Coupe Stanley? Oui, parce qu'ils sont meilleurs défensivement. Écoute, l'année passée, ils étaient 16e, 17e, je pense, à la fin de la saison. Dans les buts contre, cette année, ils sont premiers. Ils ont passé les Jets de Winnipeg, qui ont eu de la misère dernièrement. Alors, je regarde ça, c'est une équipe complètement différente. Le seul problème que j'ai du côté de la Floride, c'est que oui, Sam Reinhart, 50 buts et plus, parfait. Kachuk, dans les séries, il va être misérable de jouer contre. Barkov, il est très bon. Mais le profondeur va être vraiment testé. Tu sais, des Evan Rodriguez, puis des Lustorainen, puis des Lindell, puis tout ça, ça a bien fait dans la saison régulière. Je ne sais pas dans les séries si ça va être capable de continuer le rendement qu'ils ont présentement. Fait que je pense que moi, lorsque je vois les Panthers de la Floride en série, je me dis que ça va être les gros canons. Il va falloir qu'ils jouent, puis qu'ils jouent vraiment du gros hockey, parce que je m'attends pas à ce qu'ils soient là, le genre d'équipe que la profondeur va les amener à remporter des matchs. Alors, c'est un peu ça. Bobrovsky, évidemment, va falloir qu'il fasse la job comme il l'a fait l'année passée. Mais j'ai un peu de misère avec Floride là, de dire que c'est la meilleure équipe dans l'Est. Ils vont être bons, mais ils sont différents que l'année passée. Steve? Moi, j'adore ce que Martin a dit sur la profondeur. Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut? Le Bob, c'est toujours quel Bob qui va être d'impad? C'est ça le questionnement, c'est quel Bob. Mais leur gardien numéro 2 ne fait pas mauvais présentement. Il est très bon. Moi, je pense que oui, ils ont une excellente équipe. Ils sont meilleurs que l'an passé. Ils ont un excellent power play, des avantages numériques. Des deux sont dans les top 10. Mais tu sais, ils sont premiers aussi des buts contre. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est 2,48 par game.
Mais moi, ce que tu sais, tu parles de profondeur, s'ils vont tenir, je pense que oui, c'est une équipe qui a beaucoup de chien. Où ce que j'ai peut-être un point d'interrogation sur leur marqueur de 50 buts cette année, là. Regarde les buts qu'il a marqués, tu sais, c'est tout. C'est pas un fin marqueur là, tu sais, qui va marquer des buts spectaculaires. Dans les séries, ça joue plus tough. Oui, son équipe est tough, mais le gars lui-même en soi, c'est pas quelqu'un qui, tu sais, qui est vraiment tough. Fait que, est-ce qu'il va continuer à produire de cette façon-là durant les séries? J'ai un doute là-dessus, mais un autre doute que j'ai, c'est qu'ils vont devoir être une équipe plus disciplinée qu'ils sont présentement. Parce que dans les séries, oui, il y a un bon désavantage numérique, comme je l'ai mentionné, mais dans les séries, tu gagnes et tu perds avec tes avantages et tes désavantages des unités spéciaux. Donc, ils vont devoir faire attention à ce côté-là, à être plus disciplinés en tant qu'équipe. Là. Martin, tu veux-tu réagir? Tu connais Reinhardt? Ben, regarde, c'est parce que Reinhardt, cette année, là, il s'est fait vraiment là, alimenté par Mathieu Tkachuk, qui le voyait tout partout sur la glace, surtout dans l'enclave. Moi, je pense que Reinhardt, c'est un gars qui était toujours bien performé, mais qui performait en bas des attentes que je pense qu'on a. Tu sais, 25, 27 buts, 28 buts, 33 buts, 31 buts. OK, c'est bon, mais moi, je m'attendais à ce qu'il soit là, 38 à 45, là, tu sais, parce que je pense que c'est un gars qui est toujours en avant du filet, déviation, retour, tout ça. Là, cette année, il est au-dessus de 50. Parfait. Mais est-ce que dans les séries, on va avoir Sam Reinhardt 50 plus buts ou Sam Reinhardt 25 buts? Ça, c'est comme Steve l'a dit, ça joue un peu différemment dans les séries éliminatoires. Puis beaucoup, beaucoup de ses buts cette année sur l'avantage numérique. Alors, est-ce que les arbitres, est-ce que l'arbitrage va être à donner des avantages numériques aux Panthers comme ils en ont eu dans la saison régulière? Je l'espère parce que Sam Reinhardt, moi, je pense que c'est un très, très bon joueur. Il a eu une très, très bonne saison. Alors, j'ai bien hâte de voir si ça va se continuer dans la série. C'est un joueur qui a eu une très bonne saison. C'est un joueur qui rend les autres meilleurs. Non, il a eu une très bonne saison. Moi, c'est Mathieu Tkachuk qui a rendu Sam Reinhardt meilleur. Parkov qui rend Sam Reinhardt meilleur. Même à un moment donné, c'était Verhaeghe. Verhaeghe, moi, je l'adore au bout. Je pense qu'il a rendu Sam Reinhardt meilleur. Mais je suis pas sûr que Sam fait la même chose pour les autres joueurs. Okay. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est pas lui qui rend les autres meilleurs, puis loin de là pour de ça. Puis c'est pour ça que je dis, il a besoin des autres joueurs pour être bon comme qu'il a été cette année. Puis dans les séries, j'ai un petit doute vu que c'est du différent hockey. Là. Okay. On le souhaite parce que s'il est à son top, comme que Martin dit, s'il est le joueur de 50 buts durant les séries, faites attention, là ils vont être l'équipe que... qu'on va devoir craindre durant les séries. Ça commence demain, c'est Panthers Leafs en première ronde. Qui gagne, Martin? Les Panthers. Je pense que le problème avec les Maple Leafs, là, c'est qu'ils vont essayer de marquer. C'est Matthews, c'est Nylander, c'est Tavares, c'est Marner. Mais dans le filet, j'ai gros questions, des grosses questions là, sur Samsonov puis Wall. C'est qui va être là? Je pense que les Panthers gagnent la première ronde, mais hey, je m'attendais pas à ce que Boston soit comme Boston l'est cette année. Ils m'impressionnent, ils me surprennent. Puis je pense que Boston, c'est la meilleure équipe présentement dans la division Atlantique. Steve, d'accord avec Martin? Boston, il y a une équipe, je pense qu'il y a une équipe de saison régulière. Je crains pour eux durant les séries. Toronto, j'ai pas peur d'eux autres. Moi, sérieusement, là, Floride, les passes en première ronde, c'est sûr et certain. Puis même à ça, Toronto, peu importe qui vont pogner, j'ai un gros questionnement, que ce soit dans les buts, comme Martin dit, mais défensivement également. Donc oui, ils ont la grosse attaque, mais vous savez tous que pour gagner une Coupe Stanley, ça part d'en bas en montant vers le haut. Donc ils ont besoin d'un gardien, ils ont besoin de défenseurs. Je crains un petit peu là, Toronto. Là. Je pense que ça va brasser cet été là-bas. Là. Première paire de défense selon Daily Faceoff, Simon Benoit et Jake McCabe. Deuxième paire, TJ Brody et Lubushkin. Et troisième paire, Giordano et Connor Timmins. Est-ce qu'on gagne une Coupe Stanley avec ça? Pas sûr de ça, les gars. Non. Ah, écoute, là, compare ça aux Rangers, compare ça à la Caroline. Là, hey, ça se compare même pas. Sidney Crosby a marqué son 82e point cette saison, ce qui lui donne une 19e saison de suite avec au moins un point par match. Quelle valeur donnez-vous à ce record? C'est-tu quelque chose d'aussi impressionnant
que Ovechkin qui court après Wayne Gretzky. Il faut savoir que dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey, seul Wayne Gretzky en a fait autant que Sidney Crosby. Martin. OK, c'était un beau record, là. Puis c'est vrai que le seul joueur qui a fait ça pendant 19 ans d'affilée, c'est Wayne Gretzky. Alors, tu dois quand même prendre une note. Mais moi, ce que Ovechkin fait, essayer de t'es pas excité. Je le vois, Martin, que t'es pas excité. À marquer des buts, là, c'est numéro un. Là. Écoute, Crosby, un point par match, c'est beau. Mais il y a certaines saisons, moi, je me dis que Crosby aurait dû avoir 1.3 points par match, 1.5, peut-être qu'il l'a pas eu. C'est bon, mais c'est pas comme marquer des buts de la manière Ovechkin. OK. C'est pas aussi glamour. Tu sais, les buts, c'est excitant, tu vois ça. Puis surtout, là, il court après un record qui date de longtemps. Mais de l'autre côté, Crosby, là, sérieusement, moi, il m'impressionne année après année pour ce qu'il fait, de la façon qu'il joue, de la façon qu'il se comporte. Pour moi, ça, c'est un top. Puis c'est le meilleur joueur qui a passé dans la Ligue nationale, ou sinon l'un des meilleurs joueurs, pour ce qu'apporte l'ensemble. Pourquoi que c'est moins glamour? C'est parce que, tu sais, c'est du début. Ça fait 19 ans. Ça fait 19 ans qu'il fait un point par match. On s'attend à ce qu'il en fasse, tu sais, qu'il performe comme ça. Mais c'est de la façon qu'il l'a fait. Il n'y a pas eu toujours des bonnes équipes. Il n'y a pas eu... Écoute, je pourrais en parler longtemps. Je l'adore, ce joueur-là, puis on l'adore tous. Tout le monde peut... Ah oui, puis s'en vieillissant, continuer de faire un point par match, c'est de la peau. Mais exactement. Puis c'est pour ça que moi, je pense que oui, l'autre, c'est spécial parce que ses débuts, c'est de la façon qu'il est fait, c'est Ovechkin. Mais moi, je vais apporter autant d'attention à cet exploit-là de Crosby, de la façon qu'il l'a fait, la façon qu'il s'est comporté. Okay. À travers ça, il a gagné des Coupes Stanley. C'est aussi important, je pense. OK, je finis avec la question chienne de Gonzalez Larac un peu plus tôt aujourd'hui. Vous devez prendre un seul de ces deux contrats. Vous n'avez pas le choix. Prenez-vous le 7 ans 10,5 millions qui reste à Huberdeau, qui a 46 points en 72 matchs, ou vous prenez le 7 ans 8,5 millions qui reste à Dubois, 35 points en 74 matchs. Oh, c'est chien. On prend Huberdeau, moi. Aïe. Prends Huberdeau, moi. Je connais Huberdeau un peu mieux, là. Tu sais, je l'ai côtoyé selon certaines entrevues. On a fait les confrontations tout. Fait que je le connais un peu plus. Je ne connais pas Pierre-Luc Dubois, là, tu sais. J'ai dit salut dans le vestiaire une fois, puis c'est tout. Alors, je pense que j'irai côté Huberdeau parce que je le connais. C'est un bon gars, il va travailler fort, peu importe, là. Mais côté production, je pense que Pierre-Luc va en donner un peu plus que Jonathan. Côté chiffre, c'est chien, ça. Moi, je vois Huberdeau comme Steve. Moi, je vois avec Huberdeau juste parce qu'on a... Dubois, on a entendu trop de choses sur son comportement, sur la façon qu'il était peut-être pas un aussi bon coéquipier. Il a fait différentes équipes, à toutes les fois, on n'entendait pas des bonnes choses. Je pense que c'est juste pour ça, parce que là, c'est deux contrats assez lourds. D'après moi, tu mets les noms d'un chapeau, tu piges, mais de mon côté, comme j'ai mentionné, juste avec les mauvaises choses qu'on a entendues du côté du bois, je vais aller avec Huberdeau. J'adore ça qu'on puisse savoir de même, parce que la face à Martin valait 100 piastres. 5 ans plus jeune pour Dubois. Les deux contrats leur restent 7 ans. Pas une question facile. Les gars, Larac Gonzalez ont fait une grosse job. À quel moment, la question chienne, là, c'est à quel moment, à quel genre de production tu dis « OK, on est satisfait », parce que là, on sait bien là, que Jonathan Huberdeau ne sera pas 95 points par saison, puis Pierre-Luc Dubois, non, mais est-ce que c'est 60? Est-ce que c'est 65? Est-ce que c'est 70? Moi, je pense que 65 à 75, là, je serais content là, de un ou l'autre. Là, tu sais, je me dis, là, OK, au moins, là, je suis capable de sauver un peu là, d'argent là, sur le contrat. Ah non, moi, dans le cas de Huberdeau, je sais qu'il ne fera plus ses 100 points, là, mais ça y prend un point par match. Ça y prend un point par match. À 10,5, Caroline, il faut toujours dire que c'est un mauvais contrat, même à 60 points. Ah, c'est sûr et certain. Lui, ben c'est ça l'affaire. C'est aussi que tu as des gros contrats comme ça. Si tu ne performes pas, c'est toujours un mauvais contrat.
Les gars, vous avez été excellents. Vous autres, vous avez des bons contrats. On ne dira pas que... Non, dites-le pas. Non. On garde ça entre nous autres. Monsieur, mois d'avril, merci. Hey, Martin Biron. Va donner un bon câlin à mon chum JP. Là. Va lui donner un bon câlin. M'aller frotter le coco, inquiète-toi pas. Ouais, c'était très parfait. Je te remercie. Attention, merci tout le monde. Attention, à vous autres, on s'en parle. Salut. Au chaud, bye. Bye-bye. On vient sur la question du jour, FX. Nos spécialistes ont leur opinion, mais nos auditeurs aussi ont la leur. Même si Cole Caulfield a seulement marqué 3 buts lors de ses 24 derniers matchs, Martin St-Louis n'a rien à reprocher au jeu collectif et à la production de Caulfield. Il en a parlé aujourd'hui devant les médias. Vous, est-ce que la production offensive du numéro 22 vous inquiète? Il y a également beaucoup de textos qui sont rentrés dans la dernière heure. À 55%, les auditeurs répondent non à notre sondage X, Twitter X. Mais il y en a plusieurs parmi les commentaires qui nous parlent de la grandeur de Cole Caulfield et de son apport en séries éliminatoires éventuellement quand le Canadien va se qualifier. Est-ce qu'il pourra maintenir une bonne production offensive et pourra avoir un impact soudain dans une équipe qui va se battre pour remporter la Coupe Stanley? C'est une bonne question. 20 buts depuis le début de la saison. Marc Touchette, il dit, si je jouais mal, je serais inquiet, mais là, présentement, je ne suis pas inquiet. Il y a des gens, puis Bob nous en avait déjà parlé, quand ça fera un an, sa blessure à l'épaule, je veux voir. Il y en a qui disent, comme Len qui dit, ça m'inquiète pas du tout. Ça, c'est les gens sur Twitter. Donc, on vous invite à aller voter autant sur Twitter X que sur notre page Facebook. Pause Marc ou Marc pause? Pause Marc. Marc, on revient, bougez pas, il est déjà prêt. Baseball. Basket. Football. Baseball. MLS. À la demande générale, BPM Sport et Billets.ca récidive avec le seul concours radio où vous êtes le héros. En fin de retour, le voyage sportif de rêve au soleil. Le sport de ton...
On est de retour et on, bien sûr, c'est jour de match canadien Panthers. On va y revenir dans quelques instants avec Mathias. Mais juste avant, regardons ce qui s'est passé dans le premier week-end de la saison de baseball majeur avec Marc Griffin. Salut Marc! Salut Martin! Avant je me mette en maudit en parlant des Blue Jays, pourquoi pas faire deux autres sujets qui me gardent de bonne humeur? Un bon frappeur comprend assez vite que s'il y a le meilleur frappeur du baseball derrière lui, il risque d'avoir des bonnes statistiques et j'ai nommé Johan Soto. Écoute, il est impressionnant. Tu sais, c'est vraiment... On savait que le mariage avec lui et les Yankees, c'est un mariage parfait, frappeur gaucher, mais plus que ça aussi, c'est l'espèce d'attitude qu'il a, tu sais, l'arrogance, tu sais, les mythes de confiance et d'arrogance. Je trouve qu'il amène la vie dans cette équipe-là. Puis là, écoute, dans la série face aux Astros, il a été extraordinaire. Puis tu sais, mine de rien, tu regardes ce que Stanton, Judge et Rizzo ont fait dans cette série, ils n'ont pas fait grand-chose. Mais Soto a été très bon, passé la septième manche, des gros coups sûrs, des buts sur balle, il passe le bâton au prochain s'il n'y a pas de bon lancé. Puis le prochain, il n'est pas pire. Gars... Comment tu dis? Puis le prochain, il n'est pas pire. Même s'il en arrache en ce moment, à un moment donné, ça va débloquer, là, tu comprends? Ouais. Lorsque Juan Soto est dans sa bulle, lorsqu'il est en pleine confiance en lui, c'est probablement le meilleur frappeur. Je parle pas du meilleur joueur, je parle du meilleur frappeur. En termes de discipline, d'avoir une idée de ce qu'il fait, de frapper au champ posé, c'est ce qu'on lui offre. Puis évidemment, on connaît sa puissance. Fait que vraiment, très impressionné par le début de saison des Yankees. Parce qu'il n'a pas été tout seul. Hein? Anthony Volpe est le meilleur frappeur du baseball actuellement. Mine de rien, il frappe quoi, 560 quelques. Là, tu vas me dire qu'il n'y a pas beaucoup de matchs, mais ça reste que ça prend un support. Puis en ce moment, les Yankees sont impressionnants. Les Yankees ont été impressionnants. D'ailleurs, ils ont les devants dans cette saison à 5-0. Les Pirates aussi sont à 5-0. Ouais. Une équipe, on pourrait penser que ça pourrait rester, mais l'autre, pas certain. Avant de parler de certaines équipes, je ne sais pas si tu as vu passer ces médias sociaux aujourd'hui. Les photos d'Adolis Garcia, qui a été une révélation pendant les séries l'an passé pour les Rangers du Texas. Il y a beaucoup de tweets qui passent disant... Dis-moi que tu prends des stéroïdes, ça me dit que tu prends des stéroïdes. Écoute, il a l'air d'un frigidaire industriel. Ouais. Ça se peut-tu que cette bibitte-là s'est revenue dans le baseball majeur? Ben, écoute, les gars sont testés plus que jamais. Fait que, écoute, tu vas me dire qu'il y a toujours moyen de contourner quelque part, là, mais les gars sont vraiment testés régulièrement, sans le savoir. Donc, c'est écoute, c'est à tes risques et périls, là. D'ailleurs, les Rangers, une très mauvaise nouvelle. Le jeune Josh Young qui s'est fracturé. Donc, lui, va être absent pour... s'est fracturé un poignet, va être absent pour un petit bout de temps. Un des bons jeunes joueurs du baseball, un des bons jeunes joueurs des Rangers. Ça fait que ça, c'était déjà une mauvaise nouvelle pour Texas aujourd'hui. Oui, mais en tout cas, regarde, vous irez voir ça, les photos sur les médias sociaux. Là, je le re-google et c'est tout simplement hallucinant. Regarde, je vais te montrer une photo, FX. Je peux pas te le faire, là, mais malheureusement, Marc, là. Mais c'est beau. C'est ahurissant la différence entre Garcia en série mondiale et aujourd'hui, cette année. Il ressemble à Barry Bonds des années à Kajar. Il y a un très bon entraîneur, Martin. Oui, vraiment. Il a fait beaucoup de push-up pendant la saison morte. Bon, je ne suis pas capable de me plus longtemps. Parlons des Blue Jays qui partageaient avec les Rays. Mais hier, tu sais, les débuts de saison, là, c'est-tu les lanceurs qui ont l'avantage ou c'est les frappeurs parce que les lanceurs ne sont pas à leur plein potentiel encore? Ouais, c'est l'éternel débat. Hein. Souvent, on va dire que les frappeurs vont avoir un petit peu plus d'ennui parce que des fois, le synchronisme n'est pas là. Pourtant, il y a un camp d'entraînement. Moi, je dirais que l'avantage va aux frappeurs, effectivement, parce que les lanceurs n'ont peut-être pas encore l'étoffe du mois de juin lorsqu'ils ont tout maîtrisé. Mais c'est impressionnant, un match en point des coups sûrs. Pense-y deux secondes, Martin. Là, t'affrontes. Là, il y a eu deux buts sur balle. Il a affronté 29 frappeurs. 29 frappeurs. Bon, des ligues majeures. J'ai regardé ça, Marc. Raconte l'histoire de Ronald Blanco qui en était à quoi? Son 7e, 8e départ en carrière. Ouais. Il a eu besoin d'à peu près 100 lancers pour passer à travers les Blue Jays. Il avait commencé le match avec un but sur balle à Springer. Puis il sort de là. Puis on est rendu avec un tacticien offensif, puis on sort de là avec un match en point de couture au 5e match. Ouais, écoute, honnêtement, si t'es les Blue Jays, t'en fais pas de cas, mais il faut que tu rebondisses rapidement. Mais je comprends ce que tu dis, là. Tu sais, t'as beau avoir toutes les statistiques, t'as beau avoir toute la mentalité que tu veux lorsque tu te présentes au bâton, dans le rectangle, c'est toi qui as le bâton. Fait que la préparation est importante, mais ça reste que...
hier, Blanco, qu'est-ce que tu veux? Là, il n'y a rien qui fonctionnait. Son changement de vitesse, en fait, est extraordinaire. Il n'y a pas eu de balle frappée d'aplomb. Aucune. C'était impressionnant, là, je vais te dire. Là, moi, je suis vraiment très impressionné par ce gars-là. Huitième départ, donc, tu l'as dit, en carrière. C'est un gars qui est sorti, là, de la République dominicaine, là, à 22 ans. Puis quand, habituellement, tu sors là, de là, tu sais, toutes les équipes ont des académies là-bas, là, tu sors de là à 16, 17, 18, 19. C'est rare qu'à 20 ans, on va te chercher parce que il y en a tellement des jeunes. Puis lui, c'est à 22. 6 ans dans les ligues mineures. Fait que tu sais, tu passes de 22, là, t'es rendu à 28. Puis, alors, mais ça prend une personne, Martin. Puis Dana Brown, avec les Astros, il l'a vu lancer en aucun score cette année. Il avait lancé une coupe de match l'année passée, mais là, il dit, Krim, je le regarde aller. Pourquoi ce gars-là, on lui donne pas une chance? On lui donne pas la balle en début d'année, compte tenu évidemment des blessés. Ça prend des gars comme ça, qui ont une influence, qui disent, moi, là, je le veux, lui. Il dit, Krim, as-tu la réponse qu'il vient de donner? Fait que, tu sais, c'est une très, très belle histoire. Il y a 30 ans aujourd'hui, 8e départ dans le baseball majeur, puis il lance un match sans point de coup sûr. Donc, tu sais, quand tu dis la persévérance, la bonne personne qui prend finalement une décision sur toi. Fait que vraiment, c'est un bel exemple de courage, de persévérance, puis jamais, jamais abandonner. Imagine, les Astros sont quoi, 0-4, sont fait balayer par les Yankees, envoient leur 5e partant au monticule, pow! Match à point de coup sûr contre les Blue Jays, qui, tu sais, ce que je trouve freakant, je vais te le dire, c'est, je vais te donner la citation de Kevin Kiermaier, ça fait pas de sens. Tellement de talent dans ce clubhouse-là, dans ce vestiaire-là. Des gens avec des CV extraordinaires. Ça fait pas de sens qu'on n'ait pas de coup sûr. Si je découpe cet article-là, puis je le mets l'an passé au mois d'août, c'est exactement le même discours. Encore 4-5 droitiers. Même si Bichette est blessé, tu as une opportunité de rentrer un Varsho qui ne marche pas, un gaucher, pour venir casser le swing de les 5 droitiers. C'est le même patron de match pour tous les frappeurs droitiers. On se tient sur le coin extérieur. Écoute, je sais même pas s'il y a un gars qui a vu une balle intérieure. T'as Varsho qui laisse tomber le bâton. Là, tu sais, quand tu disais, là, il n'a pas une balle qui a été frappée solidement, qui laisse passer, tomber le bâton, tu sais, pour frapper un j'appelle ça une balle uppercut, là, avec... Puis là, il pogne ça par en dessous, puis il met ça juste en arrière du deuxième but, puis que son 4 a crié, « OK, je l'ai! » C'est vrai que les Blue Jays semble très vulnérable. Tu sais, t'affrontes la formation, là, puis t'as l'air de dire, écoute, on a un plan de match quand même assez précis. Ça a l'air relativement facile, je dis relativement, là, de les affronter en ce moment, tu sais. Il faut qu'à un moment donné, tu peux pas juste profiter d'une erreur d'un lanceur, tu sais. Il faut que tu crées des chances, puis je sais que Matt Ingley est là, maintenant, comme technicien, ou appelle-le comme tu veux, là, puis il est à temps plein avec les frappeurs. Mais j'ai hâte de voir. Je sentais des résultats intéressants. Vlad a eu quand même 5 buts sur balle dans la première série. Je me dis, bon, belle série, okay. Ouais. Lui, il a bien été. Mais, tu sais, je sais pas. Mais le baseball est enfin ici. Moi, je pense que l'attaque va rebondir aujourd'hui, même si c'est Valdez qui lance. C'est un gaucher. On va voir d'autres choses. On s'en va ailleurs complètement. Probablement que Varsho ne jouera pas avec la présence d'un gaucher, ou en tout cas, peu importe. Alors, je pense que c'est important pour les Blue Jays de sortir fort aujourd'hui en attaque. Tu sais, hier, c'était plate, on a très, très mal paru. Mais en tant que groupe, en tant qu'équipe, en tant que plusieurs gars qui ont d'expérience, il faut que tu sortes fort aujourd'hui en attaque pour appuyer, évidemment, pour appuyer ton lanceur partant, Berríos. Autre sujet dans la section S, on a parlé des Yankees. On a parlé pas beaucoup des Rays qui ont fait match nul en fin de semaine contre les Blue Jays. Tu l'as parlé de Kimbrel. Tu l'as dit avant même le début de la saison. Tu pensais pas que c'était l'homme de la situation pour terminer les matchs avec les O's. Hier, a donné un point à 9e manche. Les Orioles ont dû aller au bâton pour remporter ce match-là contre les Royals. Tu ressignes que tu penses pas que Kimbrel est l'homme de la situation à Baltimore. Non. Ça, c'est peut-être la mise sous contrat la plus douteuse de toutes les mises sous contrat qu'on a eues cet hiver. Je vois pas le fit. Je vois pas le fit. Puis, écoute, Kimbrel, là, tu regardes sa feuille de route au cours des 4-5 dernières années, c'est pas un taux de succès que tu as besoin avec une équipe les Orioles. Ça te prend meilleur que ça. Là, tu vas me dire, à défaut de meilleur, on l'a, mais je le sens pas du tout avec les Orioles.
Moi, je pense qu'il y a d'autres solutions du côté de Baltimore. On va lui donner d'autres chances. Tu sais, hier, honnêtement, il a donné un coup sûr. C'était une balle qui était frappée entre quatre joueurs, puis il a laissé tomber. Mais on a quand même réussi à faire avancer les coureurs, à marquer avec un ballon de sacrifice. Si les Orioles avaient un vraiment là, un releveur numéro un dominant, c'est un no-brainer. Ça s'en va pratiquement en première place. Même si les Yankees semblent très, très, très forts, moi, je pense que les Orioles ont une meilleure équipe. Alors, on va donner la chance à Kimbrough, mais c'est que je le sens pas avec cette équipe. OK. Le deuxième match de série, c'est à 8h10 entre les Jays et les Astros. Je vais regarder ça moi aussi. J'espère être heureux. C'est certainement le seul sport qui me met dans toutes les émotions. Je regarde le hockey avec peu d'émotions, le football avec peu d'émotions, mais les Jays me font sacrer ça. Hey, un petit peu d'amour aux partisans des Red Sox en passant, Martin. Bon début de saison. Les partants qu'on doutait, je dis ça rapidement, les partants qu'on doutait, meilleure moyenne de points mérités du baseball actuellement. 37 retraits sur des prises pour les partants contre un but sur balle. Vraiment très impressionné. Et d'ailleurs, un taux de balles rapides les plus bas de tout le baseball. Donc, on lance plein de chemouilles, plein de balles à effet. Ça a l'air à fonctionner. Oui. Hier ou dimanche, Woodcock, 8 retraits au bâton en 5 manches. Mathias. Mathias s'en vient. Marc, on va avoir le temps de s'en reparler. Je vais me calmer, puis on se reparle bientôt de baseball. Salut, Martin. Salut. Le Shift de Mathias Brunet, une présentation d'Hypothéca. Avant de magasiner pour sa première maison, c'est important de faire un budget. Pour t'aider à faire les calculs et déterminer combien tu peux payer, trouve ton courtier au hypothéca.ca. Ton hypothèque, on s'en occupe. Comme à chaque présence, il va tout donner. Et même plus. Brunet! Ah ouais, c'est la glace! C'est le shift de Mathias Brunet. Jour de match Canadien-Panthers ce soir. Je suis convaincu que le Canadien disputera un bon match. Quand c'est des adversaires de taille, le Canadien livre toujours la marchandise. Le retour de Goulet, Montembeau devant le filet. Hello, Mathias. Hello. Comment ça va? Je suis prêt. Ben oui, et à ma grande surprise, l'ordre des questions a changé dans ton segment. À ta grande surprise, ben oui, ben je revenais du Nord, alors je vous ai écouté dans l'auto avec attention. Et j'aime beaucoup votre question du jour. Je vais la poser. Il y a beaucoup de gens qui ont voté jusqu'à maintenant. C'est très serré, je te dirais. Très près du 50%. Même si Cole Caulfield a seulement marqué 3 buts à ses 24 derniers matchs. Il a marqué seulement dans 2 matchs parce qu'il y a un match de 2 buts à la mi-février et un match d'un but à la mi-mars. Martin Saint-Louis n'a rien à reprocher au jeu collectif et à la production de Caulfield. Est-ce que la production offensive de Cole Caulfield vous inquiète, oui ou non? C'est la question sondage aujourd'hui et tu as appelé FX pour dire « Je veux répondre à cette question! » Absolument. Et moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que je peux formuler la question? Tu m'aurais surpris si tu n'avais pas fait ça. Avec 19 points à ses 24 derniers matchs, est-ce que le rendement offensif de Caulfield vous inquiète? Je vais juste poser la question. On a parlé de son jeu puis de son taux de succès. Mais puis FX, ça s'adresse à toi aussi. Puis à Ben, peut-être, je ne me rappelle pas. Puis à Martin, pas une seule fois, vous mentionnez que ça se passe. En 24 matchs. Hey, c'est des points pareils. Pourquoi prendre juste le 3 buts? Puis là, je vous aime, là. Mais vous prenez le 3 buts en 24 matchs, puis vous en faites votre question du jour, sans préciser que ça se passe. Puis à ses 33 derniers matchs, il y a 28 points. Est-ce que Cole Caulfield devrait marquer plus de buts? Probablement. Est-ce que Cole Caulfield devrait rentrer plus à l'intérieur, oui. Mais crime, il faut dire que ça se passe en 24 matchs pareil. Moi, j'ai répondu. Est-ce que tu vas répondre à la mienne? Vas-y. Ben, c'est la même que tantôt. Si le rendement offensif de Caulfield m'inquiète... J'ai pas dit rendement offensif. J'ai demandé est-ce que ça t'inquiète de voir que 3 buts en 24 matchs, qu'il y a dans le fond 2 buts à mi-février et 1 but à mi-mars. Ça, c'est il marque dans des matchs une fois par mois. Ouais. Est-ce que ça t'inquiète? C'est une séquence. Les marqueurs ont des séquences comme ça. Là, on prend une séquence où ça va moins bien. Donc, ça ne t'inquiète ça pas. Ça ne m'inquiète pas. C'est pas la première fois qu'on en parle cette année, une séquence où ça va moins bien. Là. Oui. Écoute, puis tu parlais de choix aussi tantôt, puis tu as eu à te défendre. Tu n'as pas à te défendre. Si tu aimes moins le joueur, c'est pleinement ton droit.
Par contre... Non, mais je voulais quand même spécifier que ça n'a rien à voir avec Cole Caulfield, qui est une personne, un individu extraordinaire, et que j'ai même dit, il a juste en a marqué 40, puis je vais jouer de la trompette devant Parade. Oui, mais il y a un truc, par contre, qu'il faut que je te dise. J'ai été surpris quand tu as parlé de mauvais choix du Canadien avec un gars comme Caulfield. Il a pas été repêché 5e, il a été repêché 15e. Mm-hmm. Là, je vais t'en nommer 15 tout de suite après lui. Il y en a un. Thomas Harley. Il y en a un. Thomas Harley. Pris avant. Est-ce que c'est Harley que tu as callé avant le repêchage? Oui. Ben, j'avais pris York et Harley, mais York est sorti avant. Bon. Parce que tu as Newhook, tu as Krebs, tu as Harley, tu as Lassie Thompson, Ainola, Poulin, Bjornfot, Armstrong, Tomasino, McMichael, Pelletier, Foote, Ryan Suzuki, Tracy Beecher, Ryan Johnson. Est-ce que Cole Caulfield est un mauvais choix? Évidemment pas. Non. C'est un très bon choix. Attends, tant mieux, tu mélanges les choses, là. Tu mélanges les choses. J'ai pas dit, c'était un mauvais choix dans le sens que c'était pas le choix que je voulais. Moi, c'était pour encore là, faut pas prendre les choses hors de leur contexte, Mathias. J'essaie de me sortir de tout ça. Là. Je t'en ai des accusations d'anti-Caulfield, je suis pas anti-Cole. Est-ce que tu tiens comme Mario Cecchini? Pas du tout. Mario était excellent dans l'explication des choses. Mais t'as quand même dit que tu trouvais que c'était pas un bon choix, Martin. Ben, j'ai expliqué que je n'avais rien contre Cole, mais c'est que les Canadiens ont pris un petit garçon de 5 pieds 6. Et ma question au jour du repêchage, c'est s'il ne marque pas de but, il va faire quoi? Oui, mais là, Là, dans les deux derniers mois, il y a 3 buts depuis le 20 de janvier. Oui. Ce qui est pour moi insuffisant. Les passes, Mathias, je vais aller les décortiquer, je vais aller regarder les 16, voir si c'est des passes premières. Mais je peux t'assurer que Cole Caulfield, sans même aller voir les matchs, n'est pas un fabricant de jeu de premier ordre. C'est pas un fabricant de jeu. Il y a des passes. Est-ce que Cole Caulfield peut mieux jouer? Absolument. Oui. Est-ce qu'il a amélioré les aspects défensifs et son intensité? Oui. Est-ce que c'est une saison qui va en ascension? Non. Mais de là à dire que c'est inquiétant, de là à dire, puis comme je te dis, là... Excuse-moi de t'interrompre, j'ai lu tantôt des commentaires de gens, que ce soit dans le oui ou dans le non, puis je trouvais que les gens étaient pleins de bon sens. Il y en a qui ont dit, moi, je vais attendre un an après l'opération de son épaule, donc toute la saison, puis je vais voir l'an prochain. Commentaire très, très, très pertinent. Il y en a un qui a écrit, si c'était pas de ses passes, je serais inquiet, mais en raison des passes, je le suis pas. Les gens ont des bons commentaires sur, que ce soit dans le oui ou dans le non, mais... Peu importe le nom du joueur, il s'appellerait Anatole Patoff ou Josh Anderson. Si je te disais, il y a 3 buts en 24 matchs, jamais tu viendrais me voir et tu me dirais, ouais, mais Josh, il y a 16 passes. Hein? Josh, s'il y a 16 passes? Ben, il n'aura jamais. En disant, j'ai fait, ça n'a pas de sens, Josh n'aura jamais 16 passes. L'autre truc, on s'emballe, puis c'est normal, à Montréal, c'est un gros marché, puis je suis là-dedans aussi. C'est que là, Cole Caulfield, on a vu en lui, puis encore la semaine passée, puis encore en ce moment. Là, le monde voit un compteur de 50 buts, puis on s'emballe, puis si ça n'arrive pas, si ça devient un compteur de 30-35 buts, parce qu'il n'est pas encore arrivé à son sommet, les gens vont être déçus parce qu'ils sont trop emballés. Mais c'est un gars qui a été repêché au 15e rang. S'il parvient à te marquer entre 25 et 35 buts par année, ça a été un succès. C'est juste que là, on l'a monté tellement en haut qu'on est déçu. Mais il fait sa job. C'est pas le gars qui va... Oui, c'est un gars offensif. Il faut qu'il... C'est pas comme Slav. Puis je te l'ai dit, Slav va devenir un meilleur joueur. Slav fait d'autres choses. Mais dans son rôle, pour son choix, c'est bien. Mais Caulfield, ça n'a jamais été, puis ça sera pas un joueur de... J'aime pas l'anglicisme là, de concession, là. J'aimerais qu'on trouve une expression française pour le joueur de... C'est ça, le joueur qui tire l'équipe. Le joueur franchise. On l'a dit souvent, Martin, on était d'accord là-dessus. C'est un gars complémentaire. Une espèce de Kessel qui... Puis là, il y a une moins bonne saison après une blessure à l'épaule. Il va peut-être en compter 22-23. Mais c'est correct. C'est ça le but de la question. Si ça t'interpelle comme ça, c'est bon signe.
Je vous rappelle, pour ceux qui viennent juste de se joindre à nous, c'est Martin Saint-Louis qui a été interrogé à ce sujet sur la production de Cole Caulfield. Oui, les passes, et ça a été mentionné dans la question, mais il n'a que 3 buts. Et Martin Saint-Louis s'est dit pas inquiet. Alors, on a posé la question aux gens, puis c'est quand même 50-50 des réponses des gens. Donc, la question mérite d'être posée. Et il y a des bonnes chances d'aller dans une saison décevante, d'atteindre le plateau des 60 points, alors qu'il vient d'avoir 23 ans, dans une saison supposément décevante. Mais si c'est alors, un gars de 60 points qui marque 30 buts par année, es-tu décevant ou t'es content? Bien, ça va, oui. T'es content? Mais même un gars de 60 points. Attends une seconde. Si Cole Caulfield marque 60 points par année, 30 buts, 30 passes, toi, tu viens faire le retour des sportifs, tu me dis à 7,8 millions, je suis content. Ben, il peut en faire plus, évidemment. Ouais. Mais si tu dis pas en faire plus, c'est que tu n'es pas content. Sauf que je viens juste de dire dans une saison que les gens qualifient de décevante, 60 points. Oui, on s'attend à ce qu'il fasse plus. Okay. Mais Dom te suggère le mot un joueur locomotive. Ah ouais. Comme ça, écoute, c'est Ben qui a trouvé ça? Dom sur le messagerie texte. Dom, locomotive. Écoute, merci Dom, c'est mieux que nous tous. On peut peut-être essayer de trouver mieux encore. 55 points, là, c'est Zuccarello qui en a. C'est Gaudreau qui a une saison décevante aussi. C'est Zuccarello. C'est Jamie Benn qui a ralenti. C'est Kyle Connor qui a. Tu sais. Qui a été si blessé. En perspective, c'est pas si mal. Mais. Ben, t'as tout dit des gars qui ont déçu ou qui sont rendus à la fin du chemin. Oui, mais on espère. Mais de là à parler d'inquiétude, puis de. Tu comprends ce que je veux dire? Puis l'autre truc, c'est. On prend ça, les. Ça, c'est autre affaire. J'ai dit inquiétude. J'ai pas dit c'est un joueur fini puis il réussira jamais. J'ai juste dit c'est inquiétant de voir que Cole a 3 buts en 24 matchs. Il a marqué une fois en février puis une fois en mars. Mais il y a 16 passes dans cette séquence-là, pareil. Puis le fait qu'il soit sur la glace permet à d'autres de marquer aussi. Fait que c'est un. Je trouve qu'on s'énerve un petit peu pour. Mais c'est correct. Arrête d'être sensationnaliste en disant qu'on s'énerve. On a posé une question. Là, tu nous regardes, tu fais. Vous vous énervez. On s'énerve pas. On a juste posé la question. Là, tu regardes, mon Martin. Là, tu t'énerves. Là. Ben oui, parce que tu t'en viens mettre de l'huile sur un feu qui n'existe pas en disant. Voilà. Vous énervez. On s'énerve zéro. On a posé la question aux auditeurs. On s'amuse. On a du plaisir. Les gens, ils votent à 50-50. C'est-tu pas beau? Voir que t'aimes pas. Puis toi, t'arrives, tu fais. Là, vous vous énervez. Puis là, vous charriez. Ah oui. Puis là, vous exagérez. Puis là, vous. Moi, Mathias, je suis la voix. Moi, Mathias, je suis la voix de la raison. Toi, Martin, t'es un anti-Caulfield. Et t'es un anti-Caulfield. Bon, ça y est, j'étais un anti-Caulfield. T'es chanceux que je t'aime. Hey, on a-tu sorti l'extrait de Mathias qui coupe du bois? Puis qui se filme, puis qui met ça sur ses médias sociaux? Vous avez manqué ça. Tu te filmes en coupant du bois, puis tu mets ça sur ses médias sociaux? Ouais. Parce que j'ai toujours rêvé d'être un bûcheron. Tu sais, j'écris des livres, j'écris des articles. Mon vieux rêve, moi, dans le fond, j'aurais aimé ça être un homme de bois. Ouais. Fait que c'est comme si j'exprime mon rêve. Vous irez voir ça sur le compte Twitter de Mathias. En plus, je pense qu'il crie, il lâche un cri, un rouah, quand il fait une bûche. Un cri primal. Ouais, exact. Ouais. On parle-tu des Panthers? Il y a des gens qui ont compris qu'on s'amusait. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Les gens qui ont compris, il y en a qui disent « Bon, ça y est, Martin est anti-Mathias. » Et voilà. Avant qu'on enchaîne avec les Panthers, Ben veut te faire entendre quelque chose. Mathias Boone. Le couteau à la main fait son chemin en explorant l'Amérique. Il n'a peur de rien car il connaît bien les ruses des Indiens. Daniel Boone, c'est son nom. On le chante. Et qu'on vient d'en perdre du monde. Hey, sont-tu forts, nos colonisateurs, quand même? Bon, écoute, on ne s'étendra pas là-dessus. Non. Les Panthers, sais-tu quoi? Me font penser aux Golden Knights de Vegas. Ah oui? Tu regardes leurs joueurs clés, et c'est des gars que Bill Zito est allé chercher. Soit des gars dont la valeur était très basse, ou plus basse, ou soit qui ont payé le bon prix. Tu regardes les joueurs, à part Barkov, là, les locomotives, là, Sam Reinhart, un compteur de 50 buts de cet âge-là pour un choix de première et d'Ivan Levi, c'est extraordinaire. Gustav Forslund, Balotage, Verhaeghe,
Tu sais, des fois, je te parle de formule. Eux, ils ont la formule, là. Le Moneyball, là, ils l'ont. Matthew Tkachuk, qui est allé donner un Huberto qui aurait coûté trop cher, qui est arrivé à la trentaine, avec Uyghur, puis un choix de première, va chercher Matthew Tkachuk. Le joueur le plus important dans une équipe, c'est ton directeur général. Oui. Sam Bennett, pas coûté trop Sam cher. Sam Bennett, un dans six, son rôle. Un 6, un 2. Brandon Montour, je pense que Brandon Montour, ça a coûté un choix de 5. Brandon Montour, ça a coûté des sables, un choix de 3. Un choix de 3. Écoute, il y a combien de points? 70 points l'année passée? Oui, ça n'a pas marché avec les Ducks, pas marché avec les Sabres. Alors, ce gars-là fait un job extraordinaire. Puis un directeur général, évidemment, son salaire n'est pas comptabilisé sur le plafond. Fait que tu as besoin, quand tu vas chercher un directeur général, là, peux-tu laisser faire tes chums puis aller chercher le plus brillant de la gang si tu es assez brillant pour en trouver un brillant? Lui, Bezito, il était l'adjoint à Kekalainen avec les Blue Jackets de Columbus. C'est pas comme si on avait été chercher l'adjoint d'une équipe gagnante de la Coupe Stanley puis qu'on veut prendre l'adjoint pour avoir la recette. On est allé chercher un gars qu'on s'est dit, lui, il a dû bien se vendre, Bezito. Parce que la première chose qu'il a fait, il a fait des soustractions avec les Panthers de la Floride pour aller chercher du caractère. Ancien agent, lui aussi. Comme Kent Hughes. Ça marche pas tout le temps. À Vancouver, il y a un ancien agent, Gillis, ça n'a pas fonctionné. Mais l'agent moderne, là, tu sais, Pat Brisson, là, plus vieux que ça, il n'avait pas eu un avec les Coyotes de l'Arizona. Ah oui? Son nom m'échappe, les cheveux blonds. Dubus là. Pas Dubus, mais Charlton n'était pas un agent. Non, je ne te parle pas de Cheka, je te parle avant ça. OK. Ça va me revenir. Ah, Barnett. Oui. Forsling au balotage. Oui. Fait que c'est quand même impressionnant. Puis les Golden Knights, leurs premières années, leur fondation. C'est ça, des gars qui sont arrivés puis qui ils sont élevés dans cet environnement-là. Non, non, bravo. Bravo aux Panthers. J'ai hâte de voir le chemin qu'ils feront. Les gens veulent t'entendre parler de David Rembacker. Oui, j'ai vu le match. J'ai vu un bon bout vendredi. J'ai vu le match de samedi. Pour moi, c'est celui qui a le plus d'outils pour s'établir le plus rapidement dans la Ligue nationale par rapport aux autres. Par rapport à Mailloux, par rapport à Engström. J'ai vu le dernier match de Engström aussi en série en Suède, le quatrième en demi-finale quand ils ont éliminé Färjestad. C'est intéressant parce que Rheinbacher et Engström ont un point en commun, c'est la compétitivité. C'est deux gars qui lâchent jamais. Puis c'est ce que j'aime de Rheinbacher à Laval. Il n'a pas peur. Il se met le nez dans le trafic. Tu sais, il n'est pas seulement intelligent puis prendre les bonnes décisions puis avoir un bon flair offensif, pas de mobilité. Il a du chien. Il n'a pas peur de faire les jeux. Non, d'ailleurs, Jean-François l'a dit, les sorties de zone ne sont plus dans Bévitré, ils sont sur le tape. Oui. Ils sont sur le bâton. Fait que lui, pour moi, vraiment, là, ça me confirme ce que on se doutait, que c'est vraiment l'espoir numéro un en défense. J'ai vu Lane Hutson aussi, puis je sais qu'Hutson pourrait marquer 6 buts contre Minnesota en NCAA. On ne le saura pas tant qu'on ne le verra pas. Mais crime, c'est tough. J'ai vu le match au complet contre Minnesota. C'est tough de ne pas s'emballer, là. Pareil, ça reste que des choix de premier tour du côté du Minnesota. Il y a Snuggerud, il y a Renzel, il y a Oliver Moore. Tu sais, c'est une bonne équipe. Puis il est juste trop fort. Oh, on vient d'apprendre. À ce niveau-là, ouais. Il est trop fort. On vient d'apprendre que Matthew Tkachuk ne sera pas de la formation ce soir pour les Panthers de la Floride. Ça va faire une grosse différence. Oui, et d'ailleurs, Ryan Whitney, qui est un ancien cinquième choix total, qui joue à Pittsburgh, qui joue à Naheim, qui est un ancien de Boston University, il a écrit sur Twitter après le match de samedi qu'il dit « He was a beast ». C'était, écoute, il a joué comme une bête. Puis les partisans du Canadien vont être gâtés. Hâte de voir. Ancien joueur de la Ligue nationale. Les avis sont partagés. On a bien hâte de voir ça fin de saison. Mathias, t'as été très bon, même si t'essayes de mettre le trouble. Ben oui, mais j'aime ça des fois. Tu faisais 4 jours, je m'étais ennuyé de toi. Là, j'ai dit, on va crinquer. Salut. Tu sais, j'ai comme la manivelle pour te crinquer, moi. Salut, mon bûcheron.
Bye. Salut. Le Shift de Mathias Brunet, une présentation d'Hypothéca. Quand on renouvelle son hypothèque et que les taux d'intérêt sont élevés, c'est vraiment important de faire le bon choix. Pour établir une stratégie gagnante, trouvez votre courtier au hypothéca.ca. Votre hypothèque, on s'en occupe. Oui, Ben, le Canadien qui reçoit les Panthers de la Floride, comme je viens de le mentionner. Mathieu Tkachuk ne sera pas de la formation des Panthers. Tkachuk n'y sera pas. Sam Montembeau devant le filet pour le Canadien. C'est Anthony Stolarz qui sera son vis-à-vis chez les Panthers. Caden Goulet sera de retour dans la formation après avoir purgé sa suspension d'un match. Il va prendre la place de Jonathan Kovacevic. Et devant les médias, Martin Saint-Louis a parlé de ce que les jeunes joueurs de l'équipe sont en train de construire à Montréal dans une autre de ces paraboles. On vit dans la maison qui sont après bâtis. Fait que t'es mieux de prendre soin de ta maison. Fait que c'est ça, les jeunes. T'sais, moi, je veux pas qu'ils arrivent dans 4-5 ans puis ils soient fauchés de la maison qu'ils ont bâtie. C'est leur maison. Mario Cecchini est revenu avec Martin Lemay un peu plus tôt sur le chandail en anglais des Voltigeurs de Drummondville. Le commissaire de la Ligue de hockey junior maritime du Québec, donc, a été surpris des accusations de Paul Saint-Pierre Plamondon parce qu'il dit avoir passé toute sa carrière à défendre le français au Canada. Cecchini mentionne que le chef du Parti québécois ne l'a jamais appelé. Par contre, il aimerait bien le rencontrer. Moi, je suis convaincu que M. Plamondon ne t'a jamais appelé avant de faire son tweet. Après ça, non, mais d'ailleurs, moi, non, puis c'est correct, ça aussi. Là, il y a toi, l'as-tu rejoint? Mais moi, je vais l'appeler. C'est sûr okay. Que je vais, en tout cas, s'il désire s'asseoir avec moi puis jaser, parce que je veux mettre les points sur les i, que les deux, on comprenne bien nos objectifs communs. Les Lions finiront la saison à Trois-Rivières, selon le Nouvelliste. Donc, les Lions pourraient terminer cette saison régulière du côté de Trois-Rivières, la Ligue qui assumera la tutelle de la concession. Les autres formations de la Ligue seraient responsables des dépenses liées aux Lions si ces derniers participent aux séries éliminatoires. Les Growlers de Terre-Neuve, eux, mettent toutefois fin à leurs activités. Match à l'affiche dans la LNH, en pleine lutte aux séries, les Caps affrontent les Sabres, les Prédateurs reçoivent les Bruins, les Islanders vont tenter de signer un deuxième gain de suite contre les Blackhawks et les Canucks visitent les Golden Knights. Tout comme le Christ, dimanche, Carson Wentz est ressuscité d'entre les morts. Encore une fois, mon cher Martin, il va seconder Pat Mahomes à Kansas City. Il vient de signer un contrat d'une saison. Ah, c'est un bon gars dans le vestiaire. Un bon gars. Un bon gars dans le vestiaire. Ben, Bob Hartley s'en vient, mais surtout, notre concours billets.ca s'en vient. On cherche notre gagnant au retour et je vous rappelle tout de suite la façon de faire. Quand on va vous appeler, vous devez dire seulement et uniquement billets.ca. Avenir. Les vrais poids lourds du retour. 16h58, dans le vestiaire avec Bob Hartley. Et à 17h18, on déchire le livre des règlements. Tout est permis dans l'octogone. Du retour des sportifs. Baissez dans les fenêtres, vous risquez d'avoir chaud. Ça sent le printemps. Oh, ça sent le retour du sport. Le CF Montréal, de retour au stade 7.
ce concours extraordinaire, FX Ben. Je rappelle, le concours billets.ca. Tous les jours, que ce soit à 8h ou à 17h, gagnez votre voyage sportif de rêve au soleil. Les inscriptions se font en tout temps dans la section concours de BPM Sport. Nouveauté maintenant, 2 finalistes par jour, à 8h le matin avec la gang du club et dans le retour des sportifs dès 17h. La personne qu'on va téléphoner doit répondre seulement et uniquement billets.ca. Et là, c'est la ville de ton choix. Là. Fait que t'as Los Angeles, Vegas, Floride, Miami. Je me souviens plus des autres. Et le sport de ton choix dans la ville que tu vas choisir parmi exact. Les villes exact. Que l'on propose. Exact. OK. Votre appel a été transféré à un système de traitement de la voix. 4, 3, 8. Oh! On a failli. Absolument, je pense que c'est quelqu'un qui est sur ne pas déranger quand on tombe directement sur la boîte vocale. On va lui redonner une chance. OK. Tu vois, je portais même pas attention. Je pensais que c'était Ben qui avait pas fait l'heure. Votre appel a été transféré à un système de traitement de la voix. Non, attends un petit peu, c'est parce que c'est des petites. Des gens pensent que je suis stupide, là, mais c'est des petites touches. Là. Non, j'ai pas besoin de lunettes. Là. C'est des petites touches. Faut vraiment y aller mollo avec ça, là, surtout quand on le fait en direct. Allons-y. Non, viens de le faire. On vient de tomber 2 fois sur la boîte vocale. Là. Ah oui? Oui. Fait que ça veut dire qu'on l'essaye une autre fois? Ah, moi, je l'essayerai une autre fois. J'aimais 203. Mais ça, là, c'est la première et la dernière fois. Si jamais on vous appelle, qu'on tombe sur votre boîte vocale. C'est terminé. Votre appel a été bon, voilà. Oubliez ça. Boîte vocale. Bien dommage. C'est triste. Alexandre Bergeron, tu étais notre candidat d'aujourd'hui, mais tu n'as pas répondu billet.ca. Tu n'as même pas répondu pantoute. Alexandre, meilleure chance la prochaine fois. Bob Hartley. Ce qui se dit dans le vestiaire reste dans le vestiaire. On les a laissés un peu à rebain. Le coach. C'est la culture que t'installes dans le groupe. T'amène. Savoir jouer, c'est une chose, savoir gagner, c'est l'autre paire de balles. Dans le vestiaire. Salut le Bob. Salut le Marty, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Tout le monde est bien heureux, bien positif sur le Canadien. Il joue mieux, défensivement dans son territoire. Avantages numériques, on est menaçant même si on ne la met pas dedans. Des avantages numériques. Vraiment, là, tout le monde n'a que des choses positives à raconter. Et moi, j'ai dit au monde, on s'en parlera l'an prochain quand il y aura de la pression. Est-ce que... C'est un autre game. T'as entièrement raison. Par contre, c'est une bonne base parce qu'il faut le noter. C'est vrai que le Canadien est éliminé, mais il reste que le Canadien joue mieux. Puis où que le Canadien joue mieux, moi, je trouve que c'est en lecture, en entrée de zone. Avant, là, combien de fois là, tu voyais là, 1, 2, peut-être des fois 3 joueurs aller protéger le long de la rampe et puis laisser l'enclave tout à fait ouverte. Puis tu avais des chances de marquer soit qu'il était seul avec le gardien de but ou c'était du 2-1. Je trouve que la lecture, surtout pas juste la lecture, des fois c'est la compréhension. Et parce que ça en prend un pour faire une erreur, puis ensuite, tout déboule, surtout dans un système homme à homme. Homme à homme, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu sais, parce que c'est la bonne vieille phrase. Tu sais, quand on était jeune, puis on entrait sur le banc des joueurs. T'as lâché ton homme! Le coach en plantait un, il disait, t'es arrivé. Puis là, il y en a 3 autres qui disaient, oh, c'est pas moi, j'avais mon homme. Mais il reste que je trouve que les prises de décision sont tellement mieux. Aussi, on est plus agressif, mais on est moins physique. Et puis ça, j'aime ça. Parce qu'à toutes les fois que tu veux être physique en zone défensive, tu t'exposes. C'est certain que si tu en penses un, puis je pense que celui qui s'est le plus amélioré dans ce domaine-là, c'est Jack Hyde. Hein? Il est agressif. Par contre, hein, physique avec une belle approche où que la défensive prime. Hein, moi, je dis souvent ça au coach junior. T'sais, les jeunes recherchent la grosse mise en échec là, pour que le vent commence à taper le bâton, ses bounds, ces choses-là. T'sais, en zone offensive, en zone neutre, des fois, ça peut être correct. En zone défensive, tu t'exposes, tu sors cette grosse mise en échec-là, puis tu la manques.
un, bien souvent, là, c'est parce que tu as la marque, mais tu es obligé d'accrocher ou de faire trébucher. Tu ramasses sur bas de pénalité. Tu perds ton joueur adverse, il y a une entrée directe au filet. Donc, il y a tellement peu à gagner avec une grosse mise en échec versus du bon jeu agressif, bonne position de bâton. Et tu, d'une certaine façon, tu essaies de tuer le jeu. Mais en zone défensive, la rondelle est beaucoup plus importante que les joueurs adverses. Puis je pense que le Canadien commence à la comprendre ça. C'est fou, il y a les Sam de ce monde qui disent « Enfin, amen, merci Martin, tu es réaliste et sensé. » Et il y en a d'autres comme Danny qui dit « Martin, crache pas dans la soupe. » Tu vois? Ça fait pas plaisir à tout le monde. Bob, la question du jour qu'on pose aux gens, c'est sur Cole Caulfield. Cole a 3 buts dans ses 24 derniers matchs. Il a eu un but le 25 janvier. Depuis ce temps-là, seulement 3 buts. Il marque au mois. 2 buts le 15 février contre les Rangers, puis 1 but le 16 mars contre les Flames. Depuis, rien, nada. 3 buts seulement en 24 matchs. Martin Saint-Louis ne se dit pas inquiété outre mesure par la production de Cole Caulfield. Il suffit qu'en mette un dedans, puis il va partir sur une série. Tu t'inquiètes, Bob? Un peu, mais il reste que... Et Cole Caulfield est arrivé à la Ligue nationale, et puis il y avait toujours une audition à droite. On changeait constamment l'ailier droit parce qu'on n'avait pas. C'est plus simple que ça. Et je ne blâme pas Martin Saint-Louis. Je l'ai vécu souvent, moi, dans ma carrière, que j'avais un très bon duo. Par contre, le troisième membre, et des fois, ça allait par comité. J'en avais 2-3, puis j'avais le seul. Celui qui était bon jouait, puis tout ça. Et qu'on se souvienne, un, je pense que la chirurgie à l'épaule a peut-être quelque chose à faire là-dedans aussi. Il a goûté à la médecine de la Ligue nationale. Il sait c'est quoi. Il y a peut-être une fraction de seconde qui est en retard sur ses débuts dans la Ligue nationale. En même temps, la Ligue nationale l'a appris, le connaît. Donc, on le joue beaucoup plus près. Puis, un autre facteur aussi, c'est que l'ailier droit maintenant, Slavkovski, a beaucoup plus la rondelle que les ailiers droits précédents. Puis je pense que du point de vue de Suzuki, et Suzuki ne l'admettra pas, mais qu'on se souvienne qu'on retourne dans le temps un peu, et à leur début, Suzuki regardait toujours de quel côté, du côté gauche, du côté à Caulfield, parce que, un, tout ce que Caulfield touchait, bien, ça se transformait en but. Puis de l'autre côté, à droite, bien, les chances que la rondelle revienne étaient quand même très minimes. Fait que là, je pense que c'est beaucoup plus équilibré. Et puis, Suzuki, je pense, a autant confiance en Slavkovski que Caulfield. Mais dans un monde parfait, moi, je pense que lorsque le Canadien sera en position de compétitionner pour les séries éliminatoires, Cole Caulfield jouera sur un deuxième trio avec Kirby Dach. Puis, sais-tu quoi? Quand tu dis que Suzuki a autant confiance en un puis l'autre, c'est mon opinion, là. Mais tu t'en vas en bas de territoire. T'aimes bien mieux à donner à Slavkovski qui va travailler bas de territoire avec toi puis qui va t'ardonner, que tu sais que si tu te donnes à Caulfield, il va s'en faire enlever, il va se faire exploser sa rondelle, puis il ne reviendra pas. As-tu compris? Merci. Et boy, le monde, pas sûr que tout le monde va aimer ça. La question est sur BPM Sports, sur nos réseaux sociaux. Allez voter. La question, elle est écrite comme suit. Question de jour sur le retour des sportifs. Même si Cole Caulfield a seulement marqué 3 buts au cours des 24 derniers matchs, Martin Saint-Louis n'a rien à reprocher au jeu collectif et à la production de Caulfield. Vous, est-ce que la production offensive de Cole Caulfield vous inquiète? Oui ou non? Et on vient juste d'en parler, Bob. Déjà, plus de 100 votes sont rentrés. On est pile poil, 50-50. On se fait tirer des roches pour nous éviter de gars. Ouais, mais là, tu t'arraches pour t'en faire tirer d'autres, surtout par ton metteur en onde préféré, Benoît Roger. Bob, Kaylin Primo va venir chercher une photo avec la Coupe Molson comme étant le joueur du mois de mars. Avec Samuel Montembeau devant le filet. Et tu oses poser la question. Est-ce qu'on le sait vraiment, c'est qui le numéro 1 pour la saison prochaine? Ben, les ongles d'orteil vont y virer à l'envers si tu dis ça. Moi, c'est pas qui va être le numéro 1. Qui va débuter la saison devant le filet? C'est peut-être la même chose. C'est peut-être un jeu de mots. Et moi, je pense que ça va être une question sans réponse, aller jusqu'au quoi, 4, 5, 6 octobre, là, quand absolument la saison... Mais tu rouvres la porte à dire
C'est peut-être pas Samuel le choix unanime pour le numéro 1. Peut-être que Caden peut venir mêler les cartes. Ben, c'est exactement ce que je dis. Puis, tu sais, celui qui porte ce flambeau-là, Ben Roger, présentement, c'est Martin Saint-Louis. Alors, regarde, on a pratiquement une rotation d'hockey mineur. Là. Un joue un match, l'autre joue l'autre match. Fait que c'est certain. Puis, Samuel Montembeau continue à très bien jouer. Et puis, Caden Primo joue très bien. Donc, je vais dire, c'est un heureux problème. Il n'y a pas de, controverse. Je fais juste dire que un a autant de potentiel que l'autre, d'après moi. Puis, je suis très confortable avec les deux gardiens de but. Je vais dire, j'étais agréablement surpris parce que, un, on se posait toujours l'après Jake Allen. Tu sais, comme ta question tantôt, le Canadien va avoir quoi l'an prochain en zone défensive lorsque... Hey, on devra jouer pour gagner comparativement. Présentement, on n'a pas de pression. Ben, la même chose s'applique aux gardiens de but dans un contexte différent. T'as raison. Mais les deux ont tellement approuvé parce que la question mérite d'être posée qui va être le gardien de but débutant. Parce que Samuel arrive, il n'arrive pas avec une feuille de route qui était gardien de but numéro un avec les Panthers de la Floride. Ensuite, on l'a échangé au Canadien de Montréal. Il était gardien numéro un. Non, c'est l'après Carey Price. Et puis, on est à la recherche de solutions. Puis moi, je trouve qu'on a vraiment deux beaux gardiens de but. Deux gardiens de but qui sont en ascension. Oui. Deux bons travailleurs. Deux gars, je pense, qui se complètent quand même bien. Mais par contre, tu n'auras jamais la relation... numéro un, numéro deux, entre un vétéran et un jeune gardien de but. Là, c'est deux jeunes gardiens de but qui veulent faire leur place et puis la compétition va être beaucoup plus féroce. À Pete Sam, la même chose parce que c'est deux très bonnes personnes. Mais tu vas dire à un, ah, ben, toi, tu es numéro deux juste par la force des choses. Je pense pas que soit Samuel Montembeau ou Caden Primo sont prêts à entendre ça. Là. Non, puis pour ceux que ça intéresse, parmi les gardiens de but qui ont joué 18 matchs et plus... Caden Primo vient au 15e rang de toute la Ligue nationale de hockey pour le pourcentage d'arrêt. Ça dit ce que ça dit. Dans une saison où le Canadien n'a pas une équipe compétitive, va terminer dans le bas-fond de la section S. Il est à 913 de pourcentage d'arrêt, 905 pour Sam Montembeau. Puis c'est correct, Montembeau, elle dépasse ce soir, deux de suite. Il affronte son ancienne équipe. On a vu comment il a réagi quand il a perdu en titre de barrage contre eux autres. Il a vu sa victoire contre son ancienne équipe. Exact. Je vais dire, c'est un combattant. C'est une personne extrêmement fière. Donc... C'est parfait. Et la transition avec le départ de Carey Price, des fois, ça prend du temps. Là, on peut nommer des équipes versus d'autres équipes. Et Lundqvist part, Chesterkin sort de nulle part, malgré le fait qu'il est avec les Rangers. On ne le connaît pas. Pourquoi on ne le connaît pas? Parce que tu as juste un filet, tu as eu deux gardiens de but. Avec le Canadien, on a eu Jake Allen qui a fait une certaine transition. Il a fait quand même un boulot très respectable. Mais le futur, comme qu'on parle, parce qu'on en est là dans la reconstruction du Canadien. On sent qu'il y a une progression. Est-ce qu'on est prêt à faire les séries éliminatoires? Celui qui a la réponse, c'est Kent Hughes. Ben, c'est pas Martin Saint-Louis présentement. C'est Kent Hughes avec qu'est-ce que lui va faire de ses meetings après la fin de saison avec ses hommes de hockey, avec les Martin Saint-Louis, avec les assistants, avec Jeff Gorton, avec tout l'état-major du Canadien, on va dire, si on va chercher tel ou tel joueur, si on investit peut-être un de nos jeunes défenseurs dans une transaction, est-ce qu'on est prêt à cogner à la porte? T'sais, un peu comme Pierre Dorion a fait avec les Sénateurs d'Ottawa, Korpisalo, et puis... Tarasenko, puis tout ça. On connaît la suite, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas fonctionné à Ottawa, que ça ne fonctionnerait pas ou ça fonctionnerait à Montréal, on ne le sait pas. Est-ce que Kent Hughes va dire, vous savez, dans notre échéancier là, avec Jeff Molson, on est d'accord qu'on part au moins une ou deux saisons? Là, tu es en train de faire friser Mathias, là, parce que lui, il aime ça, les reconstructions longues, puis il n'aime pas ça qu'on essaie de court-circuiter les reconstructions, là, qu'on veut aller trop vite, il n'aime pas ça. Là. Oui, mais ça. Il regarde ça. Je pense pas que Kent Hughes va prendre des décisions pour faire plaisir à Bob Hartley ou à Mathias. Il va prendre des décisions pour aider son équipe de hockey. Puis, suite à ce que ces hommes vont lui dire, je pense qu'on est prêt à pousser. Ben, Kent Hughes va se servir des munitions qu'il a parce qu'il y a quand même
beaucoup d'atouts dans son jeu, beaucoup de choix à pêchage, beaucoup de bons jeunes défenseurs que tantôt, ces jeunes défenseurs-là, là, que, t'sais, qu'on pense pas qu'ils vont tous jouer à Montréal. Ils joueront pas tous à Montréal. Là. Il y en a qui vont cogner à la porte, il y en a qui vont se faire prendre dans la circulation. Là. Tu peux juste en garder un certain nombre. Donc, Kent Hughes va avoir beau jeu. Il va pouvoir peut-être essayer de prendre la perche d'un côté ou de l'autre. Mais il reste que, tu sais, où on est dans le programme de reconstruction du Canadien, nous, on voit une progression, mais c'est quoi la courbe, c'est quoi les décisions de Kent Hughes versus le futur immédiat du Canadien? On va te dire une affaire. Avec la progression de Slafkovský, t'as-tu pas envie de dire, tu sais, mettons que Slafkovský, tu pensais que ça prendrait 4 ans avant qu'il y ait un impact. Avec la façon qu'il joue là, t'as-tu pas envie de dire, hey, on s'en va du bon côté, là, parce qu'il est vraiment un joueur. Moi, je le trouve impressionnant. Là. Pour vrai, j'aurais jamais pensé ça d'un gars de deuxième année. Je vais dire, c'est un joueur de premier trio dans la Ligue nationale, comme c'est là. Il n'est pas là par défaut. Là. Non, non, c'est ça. Il a mis sa place. Il a grandi dans l'opportunité qui se présentait à lui. Et puis, je vais dire, dans toutes les sphères de jeu, défensivement, il y en a encore à apprendre, mais tu vois que le désir est là. Puis surtout, l'engagement est là. T'sais, il y a tellement de jeunes de 20 ans qui ont juste une chose en tête, c'est marquer des buts, puis ils se contrefichent de ce qui se passe dans leur zone. C'est pas le cas avec Slafkovský. Donc, moi, je regarde là, dans toutes là, les cases qu'on pourrait cocher du point de vue physique, du point de vue vitesse, du point de vue force physique, force mentale, lancer au filet, offensif, défensif. On va dire, il n'y a pas grand faille dans son jeu, Slafkovský. OK. Maxime nous écrit, il dit « Bonjour, j'aimerais saluer Bob. J'ai voulu aller le saluer et lui faire signer mon calendrier la semaine dernière en Floride, mais il n'était pas là. C'est de la part du fils de Claude, lui qui a fait des trous d'ancrage dans son entrée. » Okay. D'ailleurs, on parlait de calendrier. Aujourd'hui, on tourne la page. C'est le calendrier flop, 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 Martin. C'est Steve Bégin et le mois d'avril pour le poisson d'avril qui est à l'honneur. Donc, encore une fois, gros merci à tous ceux qui se sont procurés le fameux calendrier. Bob, les Panthers, ce soir, jour de match, Canadiens-Panthers. On sait que Montembeault sera devant le filet. On ne sait toujours pas du côté des Panthers parce que hier, c'était Bobrovsky, mais il s'est fait chasser du match après 5 buts. Donc, toujours pas confirmé. Si tu es le coach, Paul Maurice, est-ce que tu reviens avec celui qui est supposé te mener loin en série, Bobrovsky, ou tu lui donnes congé puis tu amènes Stollard? Ben, Stollers, quand même, mais j'ai regardé parce que je veux dire, j'aime regarder les Panthers parce que il y a de l'action, ils jouent dur et ils jouent de la bonne façon. Stollers, c'est un excellent gardien de but. Moi, je l'ai vu jouer avec les Knights de London à Coupe Memorial à Shawinigan. Et puis, je veux dire, c'est un gardien de but qui m'a toujours impressionné. Puis je trouve que lui aussi, comme beaucoup de jeunes gardiens de but, il a fait ses classes et puis aujourd'hui, on peut dire que c'est un très bon substitut dans la Ligue nationale. Donc, Un des rares en bas de 2 de moyenne avec 926 de pourcentage d'arrêt. Mais pour ton gardien, pour ton Bob, tu ferais garder Bucky? Pour les quoi? Parce que Bob s'est fait sortir hier. Tu le ramènes-tu dans l'action tout de suite ou tu lui donnes congé? Correct. Je reviens avec Stoller. J'ai aucun problème avec ça. Hier, Bobrovsky n'a pas été très bon, mais je pense qu'il a été moins pire, surtout dans les 2 premières périodes, que le reste de son équipe. Défensivement, hier, les Panthers n'étaient pas là. Soudainement, il n'était pas harmonieux. Je ne sais pas si c'est parce que c'était Ryan Reeves qui était de l'autre côté, mais j'ai trouvé les Tkachuk et compagnie très, très silencieux. Et puis, tu vois à Toronto, tu vois à Montréal, là, peu importe, que tu sois américain, canadien, n'importe quelle nationalité, je vais dire, ça sent le hockey, c'est de beaux amphithéâtres à jouer parce que tu te sens bien, il y a de l'ambiance. Et puis, je vais dire, à part de la 3e période où que les Leafs nous ont montré leur carence en défensive, là, les Panthers n'étaient pas là. Ils ont fini par faire un match, puis c'est pour te montrer la force de frappe. Lorsque cette équipe-là commence à jouer comme elle est capable, je veux dire, moi personnellement, je vois une finale Colorado-Floride en finale de Coupe Stanley. On va s'en parler demain après le match. Les gens qui nous écoutent vont avoir une meilleure idée de qui sont les Panthers de la Floride. Je te laisse aller, Bob. J'ai le commissaire de la LHJMQ qui vient nous jaser, entre autres, de langue. Tu as entendu ça la semaine passée? Oui, vu le sermon de notre célèbre Ben Roger. Oui. On va s'en parler si tu veux demain. Ouais, c'est ça. C'est la Ben qui me rappelle, mais qui est du temps libre.
Salut Bob. Salut tout le monde. Salut. Bye bye. Ici, tous les coups sont permis. Vous êtes dans l'octogone. Oui, Mario Cecchini s'en vient dans quelques instants. Juste avant, un petit octogone entre Benoît Roger. Bonjour. FX Bénard. Bonjour. Et votre humble serviteur, moi-même, Martin Lemay. On est ensemble jusqu'à 18h, jour de match Canadien-Panthers. Tantôt, on parlait avec Martin Biron et Steve Bégin d'un affrontement possible, fort possible même, entre les Panthers et les Leafs. Et les deux unanimement prenaient les Panthers parce que la réponse, c'est zéro confiance en Samsonov et Joseph Woll. Alors que Bobrovsky, la même année, au même moment l'an passé, était sur le banc. Souvenez-vous, c'était Alex Lyon qui était dans le filet. C'est Alex Lyon qui a commencé les séries pour les Panthers et finalement, on a retrouvé le bon vieux Bob puis il s'est rendu loin en série. La question que je vous pose aujourd'hui, messieurs, le Canadien est en reconstruction, qui va très bien. Dépendamment de ce qui va se passer cet été, peut-être que le Canadien pourra challenger pour une place en série dès la saison prochaine. Quand ce sera le temps d'être en série année après année, avez-vous confiance que le Canadien peut rapporter au minimum deux rondes avec un ou l'autre, le duo Montembeau-Primo? Est-ce que Montembeau et Primo peuvent amener le Canadien en série et faire au moins deux rondes? Ben. Nous avons présentement un bon duo de gardiens de but. Je ne mettrai pas l'étiquette d'excellent duo de gardiens de but. On a un bon duo. Moi, je pense que soir après soir, on peut faire confiance à Sam. C'est rare les contre-performances vraiment épeurantes de Sam. J'ai rarement vu de déconfiture totale. Quelques-unes, mais c'est rare. OK? Alors ça, moi, je suis en confiance. Caden, cette année, m'a mis ça dans les dents. Cette année, Caden, en plus, qu'on ne l'a presque pas utilisé jusqu'à ce que Jake quitte, Caden, il m'a mis ça dans les dents. Alors, les vieux sages qui s'y connaissent en gardien de but, qui vous diront, « Attends un petit peu, laisse-le vieillir, il sera bon comme le bon vin. » Vous pouvez désormais les croire. Parce que Caden s'améliore en prenant de l'âge. Alors, moi, je commence à être en confiance quand Caden est devant le filet. Mais lui aussi, par contre, attends un petit peu. Lui aussi, c'est deux bons matchs, un mauvais. Caden, moi, je persiste et signe, sera un excellent deuxième dans la Ligue nationale de hockey. Là, t'es-tu en train de dire oui ou non? Je dis oui. Ah, okay. Je suis en confiance. Parce que ça part, moi, pour moi, ça passe plus par là. Avoir des gardiens à 10 millions de dollars. Ça passe plus par là. Faut que tu mettes ton argent en avant. Ça aurait été une super bonne question d'Octogon. Tu vois, on la retient. Faut que tu mettes ça en avant, du moins pour le Canadien. Là. Alors moi, je suis en confiance pour une, deux, trois rondes. Ah ouais, donc, puis tiens bien. Fait que toi, tu fais deux rondes avec le duo Montembeau et Primo. Ah, peut-être trois. Ça va se passer en avant. Premièrement, la brigade défensive qu'on est en train de se construire à Montréal, c'est du solide, là. J'entends tout ça, je vois ça aller, puis je me dis, wow! Okay. Ça prend... Avec cette brigade-là, t'as pas besoin d'être sur le dos, sur le ventre, dans sa coche à ma tante, devant le filet, là. FX Bénard, est-ce que le Canadien, quand il sera le temps d'aspirer aux séries éliminatoires, peut espérer faire au moins deux rondes avec un duo de gardien de but composé de Sam Montembeau, qui sera devant le filet ce soir, Canadien Panthers, et Caden Primo? Je crois pas. Je suis pas... Je suis pas un éternel optimiste comme Ben. Je crois pas que ça va arriver. De toute façon, moi, je vois pas le Canadien en série dès l'an prochain. Je vous l'ai déjà dit, si le Canadien fait les séries, je les vois beaucoup plus dans deux ans. Je crois qu'on va se battre l'an prochain pour atteindre les séries éliminatoires. Et encore là, il va falloir remporter deux rondes de séries éliminatoires. Rendu là, le portrait devant le filet est pas très clair de ce à quoi ça va ressembler. Caden Primo, le maximum de matchs qu'il a été devant le filet dans une saison complète, c'est cette année avec 18 matchs. Dans la Ligue nationale. Samuel Montembeau, c'est 40 matchs dans une saison. Il est à 36 cette saison. Ces deux gardiens-là, on les a jamais vus ensemble dans un tandem devant le filet chez le Canadien une saison complète. Oui, on peut être optimiste avec ce qu'on voit récemment de ces deux gardiens, mais en même temps, il n'y a pas de données, il n'y a pas d'exactitude sur ce que ce tandem-là peut nous donner à long terme sur 82 matchs à deux. Je peux pas dire que je suis optimiste, que je suis persuadé que ces deux gardiens de but-là vont nous permettre de gagner des matchs en séries éliminatoires.
si un certain Jacob Fowler, éventuellement, qui s'amène dans des rangs universitaires, arrive dans la Ligue nationale de hockey, puis bon, finalement, ça devient le gardien, peut-être, qui peut changer la donne, tant mieux, mais en même temps, encore une fois, si tu le sais pas pour Primo là, tu peux pas le savoir pour Fowler. Voilà, tout à fait. Mais je crois pas nécessairement que ça va passer par ces deux gardiens de but-là. Je pense que ça va venir peut-être d'ailleurs. Droit de réplique, Ben Roger. J'ai une question, Maître Lemay. Vous qui êtes un spécialiste des gardiens de but, ouais. Je pense que Fowler doit encore passer une saison dans la NCAA. Il n'y a pas de doigt. Il peut sortir de là quand il veut. Il peut sortir de là quand il veut. Mais il va en jouer une autre. Il va en jouer une autre, hein, selon ce que j'entends. Est-ce qu'il pourrait court-circuiter? C'est-tu déjà arrivé dans l'histoire, ça, Carey l'a fait, qu'un gardien ne passe pas, exemple, Fowler ne passe pas par le Rocket, arrive directement dans la Ligue nationale? Ça se peut, ça? Déjà arrivé. Ouais. Bon, OK. Moi, je pense que c'est ce qui va arriver avec lui. Mais là, il va encore jouer dans la Ligue nationale. Je tiens te rappeler à toi, Ben Roger, que t'as dit oui, Montembeau et Primo d'Europe. Absolument! OK. Mais ça, c'est si on fait une série l'an prochain. Oui. Ou l'autre. Moi, je vais dire, avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça veut pas dire qu'ils ne le feront pas, mais aujourd'hui, on me pose la question, c'est non. Puis je pense que si Samuel Montembeau était assis ici, il dirait non aussi. Commence à avoir du millage comme gardien de but, commence à remporter le championnat du monde l'an passé. Ça serait pas de tort s'il voulait y retourner cette année. T'imagines-tu s'il remportait un autre championnat du monde alors qu'on se demande s'il a sa place sur l'équipe canadienne avec les Bennington, les Jarry, etc. Il y a Marc-Antoine qui dit sa messagerie texte. Darcy Kemper l'a gagné avec Colorado, la Coupe Stanley. Oui, attendez une seconde. Kemper était numéro un légitime avec Minnesota. Il était non seulement numéro un avec l'Arizona, mais avec l'Arizona, avant qu'il se blesse, il était le seul candidat pour le trophée Vezina. Et c'est pour ça que l'Avalanche est allé chercher en se disant « Il s'est blessé. Si jamais il reste en santé, ça nous fait un bon gardien. Le prix, pas trop cher. » Je pense que présentement, et Montembeau, et surtout Primo, avec le peu de match, comme FX l'a mentionné, avait parlé, je pense qu'en ce moment, les deux n'ont pas prouvé qu'ils pouvaient amener une équipe en séries éliminatoires. Et je fais le lien avec ce que Martin Biron a dit, avec ce que Steve Bégin a dit. Ils sont inquiets de Samsonov et de Joseph Woll. Joseph Woll, là, c'est une machine là, dans la Ligue américaine de hockey versus ce que Kaelin Primo a donné dans les dernières années. Là. Woll a joué beaucoup plus de matchs, moins blessé, etc. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, si la construction du Canadien va bien, je pense que devant le filet, on n'a pas notre réponse à savoir si on a un gardien de but de l'avenir présentement devant le filet du Canadien. Mais sait-on jamais, les gars, rappelez-vous, c'est fatigant, je sais qu'il y en a qui sont plus capables de l'entendre, celle-là, mais le fameux printemps à Lac. T'sais, Yaroslav à Lac, là. Personne qui l'a vu venir, ce gars-là. Là. Et ce printemps-là, le Canadien a survolé ses adversaires grâce à des performances époustouflantes. Carey était sur le banc. Fait qu'on sait jamais qu'il y a un Sam ou un Kayden même prendre son envol au bon moment, puis il nous transporte en série. C'est ton... Hey, je fais tellement attention à mes anglicismes. Tu peux pas savoir depuis la semaine dernière. C'est fou comment je me pile sur la langue. Alors, on verra, mais moi je suis en confiance. Canadiens Panthers ce soir, à pareille date l'an dernier, les Panthers avaient leur gardien but qu'ils amenaient en finale de la Coupe Stanley assis sur le banc, pas capable d'arrêter un pamplemousse. Et pourtant, il les a amenés jusqu'en finale de la Coupe Stanley, Sergei Bobrovsky. Il n'en restait plus beaucoup à la fin. Le Bobrovsky était rendu tout maigre à force de perdre. C'était épouvantable la quantité d'eau qu'il devait perdre. Est-ce que le Canadien, dans sa reconstruction, a le gardien de but pour entrer en série et faire deux rondes en Montembeau et Primo? 514-790-0919. On finit ça dans un 3-5. 514-790-0919. Ben Roger dit « Oui, le Canadien a ce qu'il faut avec Montembeau et Primo. » FX Bénard, appuyé par Martin Lemay, disent non, pas en ce moment. 514-790-0919. On va demander votre nom et pour qui vous votez. Je vous rappelle que c'est une séquence noire pour Benoît Roger. Ouais, j'ai quand même un mauvais pressentiment. BPM Sport, allô? Oui, bonjour. À qui on parle? C'est Richard. Bonjour, M. Richard. Est-ce que vous êtes côté Ben ou côté FX? Moi, je suis du côté FX. C'est le système de défensif de Saint-Louis qui m'inquiète. Là. Ils sont mêlés comme un jeu de cartes là, dans leur zone défensive. Présentement, le Canadien. Alors, on n'a pas le gardien de but qu'il faut pour aller faire deux rondes, c'est ce que vous dites?
de très bons gardiens, mais tant qu'on ne trouve pas un système défensif qui est solide, je suis vraiment pas convaincu. Richard, merci. Merci, Richard. Okay. 1-0. Il y a des circuits disponibles, BPM. 5-4-7-9-0-0-91-9. À qui on parle? Avec David. Allô, David. Est-ce que le Canadien a un gardien but pour aller faire deux rondes en série éliminatoire? Je pense que oui, du côté Adam. Ah. Yes, oh, merci David. Regarde comment il est joyeux. Non, mais ça me réchauffe là. Ça me réchauffe le cœur. 5-1-4-7-9-0-0-91-9. C'est 1-1 à qui on parle? Non, il n'y a personne encore. Comment ça, il n'y a personne? Non, il n'y a personne sur les circuits. 5-1-4-7-9-0-0-91-9. Est-ce que le Canadien a le gardien qu'il faut pour faire deux rondes en série éliminatoire? À qui on parle? On parle à Jean. Bonjour Jean. Est-ce que le Canadien a un gardien pour faire deux rondes en série éliminatoire? Ben oui, les gars, écoute, avec Martin Saint-Louis puis le speech qu'il peut te donner, je pense que même si tu serais le gars le plus pourri au monde, là, je pense avec son speech là, je pense qu'on peut on peut soulever la terre. Fait que oui. Merci Jean. Ça fait mon ben. T'as raison mon chum. Merci. On va y aller. Merci donc, Jean. Si oui, j'écoute Jean, je pourrais être dans les buts et ça marcherait. Ben oui. Merci 514-790-0919. Est-ce que le Canadien a le duo de gardien de but pour faire deux rondes en série? Mettons qu'il rentre en série l'an prochain. À qui on parle? Oui, allez. Oui, à Marc-Antoine. Allô Marc-Antoine, est-ce que le Canadien a un gardien qu'il faut pour faire deux rondes? Ben, le premier intervenant, il parlait de la défensive. C'est là, moi, je veux dire, oui, c'est vrai que la défensive, elle me fait peur, moi aussi, mais ça, c'est pas la responsabilité des gardiens. Moi, je veux dire, si on fait pas deux rondes à cause de la défensive, c'est pas les gardiens. Alors, moi, je dis oui. Ces deux gars-là, à date, d'après moi, oui, on peut faire deux rondes, mais c'est sûr qu'avec cette défensive-là, peut-être que ça se fera pas, mais c'est pas les gardiens, c'est la défensive. Merci. C'est la différence entre les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Grâce à vous, c'est une victoire de 3-1. Félicitations, Ben. Monsieur Ben. Félicitations. Ça fait du bien. Pas de temps en temps. Merci à ceux qui, comme moi, pensent la même chose. Ça faisait longtemps. Hein? Oui. Au retour, on revient sur ce scandale, entre guillemets, de la langue française avec la Ligue d'hockey junior maritime du Québec avec Mario Cicchini. Bougez pas. Baseball. Basket. Football. Baseball. MLS. Football. À la demande générale, BPM Sport et Billets.ca récidive avec le seul concours radio où vous êtes le héros. En fin de retour, le voyage sportif de rêve au soleil. Le sport de ton choix dans la ville de ton choix. Hockey, baseball, MLS, basketball ou football. Los Angeles, Miami, Las Vegas. Inscrivez-vous en tout temps dans la section concours du bpmsport.ca. Et écoutez tous les jours en semaine à 8h et 17h. Si Max Lalonde et Martin Lemay t'appellent, tu dois répondre seulement et rien d'autre. Billets.ca. Baseball. Basket. Football. Baseball. MLS. Football. Grand gagnant le 22 avril. Baseball. Basket. MLS. Football. BPM Sport et Billets.ca. Ensemble pour tous vos trips de sport. Baseball. Basket. MLS. Football.
qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous souhaitez. Moi, j'ai jamais refusé de discuter. S'il y a des éléments qu'on peut ajuster, on va le faire. Tu sais, on n'est pas. On est très, très parlable de ce côté-là. Ceci étant, il faut que tout le monde voit la réalité, voit les vraies choses que l'on a fait, puis arrêter de nous dépeindre potentiellement comme des gens qui sont anti-québécois, ben oui. Quasiment. Là, ça n'a rien qui respecte rien, pas rien la langue. Voir. J'ai une pas ça du tout. Benoît, puis moi, tu sais, tu connais Benoît aussi. On se colle taille souvent, puis on demeure amis, même si on n'est pas obligé d'avoir la même opinion. Les deux, on pense que c'était un faux pas des voltigeurs. Les voltigeurs ont annoncé qu'ils corrigeraient le tir. Mais même deux amis qui pensent différemment comme Ben et moi, je pense que le Shanghai doit être bilingue. Je crois à l'inclusion. Et Ben, lui, pour lui, c'est la Ligue de hockey junior maritime du Québec, mais c'est démarré au Québec. Et c'est une ligue qui appartient aux Québécois et que ça devrait être une langue française. Tu te places où, toi, là-dedans? Bien, écoute, la réalité de la vie... Moi, j'arrive ici après 55 ans d'histoire, puis la réalité de la vie, c'est que ça fait 30 ans que tu opères dans 4 territoires. Ça, c'est une réalité, Martin et Roger. On peut pas la changer. Tu sais, on peut pas changer ça. Tu as 25 % de tes fans. Ça voudrait dire, selon ce raisonnement-là, qu'on perdrait notre logo LCF, qu'on perdrait notre logo LNH. Ça voudrait dire que les Québécois qui supportent la Ligue nationale de hockey ou la Ligue canadienne de football, ben, verraient pas d'affiliation. Moi, ce que je prétends, c'est que si on veut être reconnu, il faut reconnaître. Puis je l'ai dit souvent la semaine passée, c'est la première fois de ma carrière que je me trouve dans la position du majoritaire. Je pense que toi et moi, on l'avait dit ça ensemble. Si on veut être inclus, ben, des fois, il faut inclure. Oui. Alors, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est le même principe. Puis le fait que la Ligue en parlait depuis longtemps, puis qu'on a juste mis le point final à cette conversation-là, c'est parce que c'était quelque chose qui valait la peine d'être discuté. Sinon, ça ne reste pas dans la mémoire collective ou dans la conversation collective si longtemps. Moi, ça m'est juste apparu logique, comme les comparaisons que je donne avec les autres ligues. C'est surtout, d'abord et avant tout, de reconnaître les personnes là-bas qui nous supportent. On peut dire, c'est sûr qu'on s'occupe de la jeunesse québécoise au hockey, mais la LGMQ aujourd'hui s'occupe aussi des jeunes du Nouveau-Brunswick, s'occupe aussi des jeunes de l'île du Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve, par conséquent, même s'il n'y a pas d'équipe. Mais on devrait juste être fiers que ça a commencé au Québec puis ça s'est étendu un peu comme... tu sais, je ne veux pas de comparaison boiteuse, mais quand une compagnie d'ici fait affaire puis réussit en Ontario, puis après ça réussit aux États-Unis, puis après ça réussit de façon internationale, bien, on peut juste être fiers. Je vois pas pourquoi c'est pas la même chose. Ben veut réagir. Mario, il y a une chose. Moi, dans les maritimes, dans les deux langues, c'est parfait. J'ai aucun problème avec ça. Je veux juste répéter qu'à Drummondville, qu'à Gatineau, qu'à Shawinigan, qu'à Rouyn-Noranda, qu'à Val-d'Or, que là, ce soit en français seulement. C'est tout ce que je demande. Le reste, les maritimes, je comprends qu'il faut que ce soit dans les deux langues. Je comprends ça, là. Mais quand tu parles de il faut savoir de quoi on parle. Le devant du chandail, là. Tu sais, le devant. Tantôt, Ben. Tantôt, je t'ai appelé Roger, excuse-moi. Ça m'arrive tout le temps. Mais écoute, ça se passe dans les deux langues à 95% du temps. Tu sais, il y a eu, je te dis pas là, parce que là, je suis pas là dans le vestiaire, je suis pas là dans les équipes, oubliez pas. Puis en plus, on n'est pas une compagnie, là. C'est 18 compagnies avec leur marketing différent qu'on veut qu'ils soient différents pour se démarquer. Mm-hmm. Alors, c'est pas sur ma responsabilité, ça là, direct. Tu sais, comme Gary Bettman, n'est pas responsable du marketing des Canadiens puis des Flyers. Exactement. Ceci étant dit, là, je veux être bien clair avec tout le monde qui écoute, là. Je suis pas en train de me comparer à Gary Bettman, là. Je vais juste parler. De la job, tu comprends? Mais c'est un peu en ce sens-là, Ben, au fond, ce que je te dis, c'est que c'est toujours comme ça. Puis tout ce qui est face au client, face au consommateur, j'espère que personne n'a de doute sur ça, là. Tout ce qui est communication, publicité, c'est en français. Absolument respecté, là. Ça, il n'y a aucun enjeu sur ça. L'autre question à se poser, ben là, c'est jusqu'où la réglementation va après. Tu sais, ce que j'ai beaucoup entendu depuis 5 jours aussi. Il y a quand même des gens, moi, qui m'ont appelé, qui sont un peu inquiets. Est-ce que Ben Roger va pouvoir mettre un T-shirt des Eagles de Philadelphie disant Property of the Eagles si tu t'affiches sur le site Web dans un concours que le BPM Sport va organiser pour le Super Bowl? On a eu la conversation dehors des ondes, c'est exactement l'exemple que j'ai donné sur ça. Tu as tout à fait raison. Tu sais, sur ça, il faut, si les jeunes ne mettent pas ça sur le site web,
ou sur les réseaux sociaux, on n'en parle probablement pas. C'est clair. Alors, ça ne veut pas dire que c'est correct. Puis des fois, ça arrive, ça. Puis une situation de même, ça nous permet d'aller de l'avant tout le temps. Moi, j'ai toujours regardé ça de cette façon-là. Mais il faut quand même se poser la question, parce que là, on n'est pas dans l'affichage aux consommateurs, on n'est pas dans l'affichage public. Alors, c'est juste de regarder ça. Encore une fois, là, je suis pas en train de dire que les gilets devraient être en anglais. C'est pas ce que je dis. Non, moi, je t'ai parlé bilingue ou français. Ouais. C'est ça. On recule, puis on prend un peu de recul sur ça, puis on garde ça. Mais je veux dire, la majorité de nos gilets, de nos équipes, les 12 équipes sur le territoire du Québec, au Québec, sont minimales. En tout cas, au moins bilingues. Tu sais, c'est sûr. Je voulais t'entendre là-dessus, Mario, mais là, c'est pas moi qu'il faut que tu laisses, c'est toi qu'il faut qu'il me laisse. Tu as un meeting, mais on va se reparler, premièrement, faire un suivi, voir si tu as rejoint M. Plamondon, et surtout, c'est le début des séries dans la RGMQ, et il y a une saison qui s'est terminée, il y a des choses qu'on peut jaser encore, fait que je te rappelle. Oui, c'est surtout ça, puis si je prends une seconde, la seule affaire qui est, tu sais, le timing n'a pas été le fun, parce que ça a enlevé l'espèce de faisceau lumineux sur nos jeunes qui commençaient leur série la semaine passée, mais j'invite tout le monde là parce que c'est bien parti. Il y a plein de matchs en supplémentaire. Il y a des bonnes parties. Il y a des surprises à date. Alors, c'est bien parti. Puis on espère que ça va venir une autre Coupe Memorial, une cinquième. Lâche pas. Bon meeting. On se reparle bientôt. Merci, Mario. Merci. Bye-bye. Des boulettes suédoises. Burger. Bonne idée. Un petit peu de blé d'Inde. Tu vas peut-être changer ça. Ben non, je vais remettre des champignons. Bon. Non, mettons des champignons. Il y en a qui prennent un petit coup. Hamburger steak. Y'en a qui fument des petits bouts, moi je mange. Spaghetti. Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. J'aime mieux rester dans ma cuisine, puis je mange. Yvon, je veux manger des boulettes suédoises. Non, tu ne rembordes jamais. Jamais. Bonne soirée, bon match. Je trouve ça cool. Burger spaghetti. C'est très cool. Ben Roger. Que manges-tu ce soir pour souper? Ce sera très simple. Madame avait une envie de pizza. Alors, la pizza sera livrée à la maison. Ah oui, tu commandes. Ouais, c'est mardi comme ça. Mardi pizza, c'est rare. C'est très rare, un mardi pizza, mais c'est quand même un avant-match. C'est un avant-match. Canadiens Panthers! Voilà. Vix, qu'est-ce que tu manges ce soir? Je vais au Centre Bell ce soir avec des amis voir le match. Alors, je vais regarder sur place. Ça coûte très cher, alors... Tu vas payer beaucoup trop cher pour de la nourriture très ordinaire. C'est ça le problème. Alors, peut-être que ce serait une sandwich au coin avant de partir aussi. Mais non, c'est bon. Quand tu vas au Centre Bell, faut que tu profites d'un hot dog ou d'une pointe de pizza. Faut que tu manges local. Faut que tu manges local, mais j'irais plus dans le hot dog que la pointe de pizza. Tu crois-tu que j'ai un restant de poutine puis on va manger du restant de poutine? Un restant de poutine? Comprends-moi bien. La sauce, il y en a resté. Il y a fromage, il y en a resté. C'est pas tout déjà pris dans un pain dans le frigidaire. On va faire des frites, maison. On va pouvoir mettre la quantité de fromage que je veux. C'est parfait. On va mettre de la sauce dessus. Bon. C'est bon. Donc, ce sera poutine à la maison. Ben oui. Bien, messagerie texte, qu'est-ce que vous mangez ce soir? 514-790-0919, FX. Véronique, filet mignon, frites et salade. Filet mignon? Filet mignon un mardi soir. Bravo, ben oui. Véronique, tu le mérites. Alain, club sandwich de chez Benny. Ben oui. Marc-André, un ragoût de bœuf, carottes, patates, oignons fait par ma copine avec une beurre et de pain. Beaucoup de détails. Très la content pour toi, Marc-André. C'est parfait. Mathieu, ça, la beurre et de pain. Ça. Mathieu qui mange du smoke meat ce soir sur pain nan maison. Smoke meat sur pain nan. Wow. Alain, spag, crevettes et ail. C'est vrai que s'il y a quelque chose de pas bon dans un smoke meat, c'est bien le pain qui... Le pain de seigle. Ah, qui est toujours trop, il est toujours trop petit. Petit, mouillé. Faut-tu te battre avec? Y a-t-il une tranche de pain au monde qui goûte moins bon que le pain de... de seigle? Mais attends une minute, j'ai-tu entendu spag, crevette et ail, moi, là? Oui. Un petit spag avec un side de crevette. Voilà. Oh, pardonnez-moi, un à côté de crevette. Oh, un à côté de crevette. bon, chili, ça revient aussi sur la messagerie texte Attends. Le chili revient sur la messagerie texte du papa de FX. Voilà, Jacques qui mange un bon chili ce soir. J'espère qu'il va t'en rester. Peut-être que la prochaine fois que... Message, il y a un faire un tour. FX va en prendre. Et voilà. Et on a également pâté chinois qui revient. Quiche au jambon, hamburger steak, hamburger chez Hervé's. Poutine au fèves. Une poutine au fèves. Ça, c'est comme un genre de poutine au chili, là. Une poutine chili. Mmh. Intéressant. Non. Non, hein? Non. OK, ben merci beaucoup.
ça me dérange de vous laisser sur Poutine aux fèves. Il y a dumpling de canard, si tu veux, Martin, par Pascal, ce soir. Ça l'emballe pas plus, des dumplings de canard. Dumpling, non. Canard, moins encore. J'ai essayé poutine. Moi, j'en reviens à poutine. J'ai essayé poutine, porc et flushé. Délicieux, c'est sûr. Hein? Ça te donne un petit côté sucré. Ah ouais, hein? Ah, ouais, bébé, t'as su quand moi, il aimait ça. T'entends trop d'ouvrir tes horizons. Arrête donc. C'est le fun. Merci, auditeurs précieux, d'avoir été à l'écoute de BPM Sport. Merci, Ben Roger. Merci à vous tous. Salut, FX. Merci à Cory Boutique encore pour les